Bon après-midi les amis. Donc Smart Citizen, aujourd'hui, après le budget, ben, nous pouvons accueillir Kevin Tirouvenkadem, notre ami économiste, et Raman Sitanen, notre ancien ministre des Finances pendant une dizaine d'années, et consultant et économiste. Vous faites un petit rappel qui nous peut lire un petit peu dans la gazette ces derniers jours, après le budget. De bonne firme, une grande firme comptable, qui se peut dire en quelques lignes. Donc, Axis, PECOS et Deficitless 2021. Donc, Rama et Kevin, pour apporter cette view sur là. On nous connaît qu'ils présentent un budget de 162 milliards de revenus, dépenses. On nous connaît qu'il y en a 60 milliards qui sont aussi de la Banque de Maurice. Donc, c'est pour causer un petit peu là. BDO, PECOS and High Tax Jurisdiction. Et qu'il est temps pour difficile pour renverser la vapeur. PwC, PricewaterhouseCoopers, le PDR. We are disappointed that little sacrifice has been made by the public sector. Etc. Bon, nous avons un camarade Business Mauritius. Je veux dire qu'il y a une mesure positive. Telle que la relance de la construction, et l'aide secteur manufacturier. Mais, ça peut dire aussi qu'on attend de mesures fortes pour relancer plusieurs secteurs importants de notre économie. Cela est essentiel pour protéger concrètement les entreprises et les emplois. Donc, nous connaissons, après Covid, le pays est à genoux, comme le Premier ministre indique lui-même. Et Vidya Munigan, président de Business Mauritius, il peut dire qu'il faudra attendre pour avoir les détails sur l'implémentation des mesures. Donc, mais Business Mauritius, il est aussi inquiet par rapport à une charge fiscale additionnelle qu'il mettait dans le budget. Donc, je remercie déjà Kevin et Rama. Pour l'invitation pour sa Zoom Live aujourd'hui. Donc, le modèle d'aujourd'hui est pour en deux parties. Donc, une première partie, 5h à 6h, avec Rama Sitanen et Kevin Tirouvenkadem. Et à partir de 6h jusqu'à 7h, nous pouvons des trois jeunes étudiants universitaires qui pour apporter une perspective par rapport à la jeunesse. Par rapport au budget, bien sûr. Je vous pose quelques questions par rapport à ce point de crainte. Nous pouvons Kripalu Sengun, Association des petits planteurs, Amor Diapazing, Fédération, secteur PME, et Jayen Viraven, qui est consultant dans le secteur services financiers, qui est longtemps en Afrique du Sud et à Maurice. Donc, nous démarrons immédiatement et nous pouvons en premier. Le secteur tourisme. Nous connaissons qui Air Mauritius Rounded, il y a Zenou, secteur tourisme, hôtellerie, dépanne l'aviation. Nous connaissons qui une frontière encore fermée, nous ne connaissons quand une frontière ouverte. Et une mesure qui nous proposait Rama et Kevin pour de nous views. Mais je fais un petit allô, le camarade Nilen Venkadasmi, le nouveau chairman de la MTPA, Mauritius Tourism Promotion Authority, qui vise à faire un bon deal, un bon effort pour faire promotion Liverpool. Et lui, c'est le plus grand fan Manchester United à Maurice. Rama, Kevin, me laisse-toi démarrer, Rama. Bonjour Dave et bonjour tout mon camarade qui peut écouter le Zoom. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le tourisme, moi j'avais juste évacué rapidement des quelque chose qui retrouve beaucoup du monde confus là. D'abord, le budget équilibré. Nous, on est, il n'est pas vrai. Moi, bien reconnaître que dans une circonstance, quand le gouvernement participe à l'appel,
à la Banque centrale, ils ont un budget extrêmement difficile. Ah, nous tous connaissons ça. Il fallait utiliser augmenter taxes, pas beaucoup, utiliser diminuer dépenses et utiliser augmenter. Mais la situation est même extrêmement facile pour le ministre parce qu'il y a 60 milliards grandes depuis la Banque centrale. L'eau a un budget quand son recette à peu près 162 milliards. Il y a 60 milliards cadeaux avec la Banque centrale. Il fait à peu près l'équivalent de 37%. C'est énorme. Et il y a une seconde bouée de sauvetage à travers MIC de 80 milliards. Bon, mon camarade, vous connaissez. Ici, la Banque centrale va bah, faire ça, mais c'est le gouvernement qui vous a fait ça. Alors, indirect, un indirect, et après, il y a un reliquat qui est encore resté le 18 milliards qui est transféré depuis la Banque centrale pour venir dans le budget. Et nous avons maintenant dans le budget, il y a une partie qui est payée, et après, ce qui restait, il vous payez pendant 2 ans encore pour les rembourser les dettes étrangères, pour espérer. D'étranger qui est un peu cher. Second, it is a high tax, high expenditure budget. Quand nous retournons là. Et il peut sans modèle économique qui fait le succès de Maurice pendant très longtemps. Maintenant, vous venez dans le tourisme. Vous voyez, si nous avons un petit guide, ce qui peut arriver dans différents secteurs de l'économie, le tourisme, l'aviation, l'hôtellerie et l'hospitality industry. Et tout le sous-secteur qui est lié avec ce quatre-là, c'est ce secteur qui vous plie affecté en termes depth et en termes duration of the recession. Nous tout connaissons. Pour une raison bien simple, frontières fermées, mon avion grandeur et mon djimoun pas pu voyager. C'est-à-dire, recette zéro. Et il y a un coût fixe. Il y a un coût fixe non seulement pour un employé, il y a des autres coûts fixes. Alors, moi, je suis étonné de 3 affaires. Un, le ministre n'a même pas fait une analyse pour venir dire est-ce que le tourisme, l'aviation, l'hôtellerie sont recovery pour un V, pour un U, pour un L, ou bien pour un logo Nike. C'est-à-dire qu'il prend un L et un U. Il paraît qu'il est beaucoup plus un L. Un expert peut dire qu'il doit pour retourner à côté de ce qu'il était en décembre 2019 avant 2023. 4 ans. Oh, pas dire nous, quand pour ouvrir l'espace aérien, parce que tant que nous pas ouvert l'espace aérien, et ben les autres pays ouverts sur l'espace aérien, les touristes sont restés pour zéro. Maintenant, évidemment, nous avons fait gaffe avec toutes les précautions sanitaires. Il y en a beaucoup moins de pays qui peuvent faire. Comment est-ce que vous faire ça? Alors, on trouve le fait qui ne peut pas dire. On a une base indicative. Indicative, ce n'est pas le 15 juillet ou bien le 1er août. Et frontières pour ouvert, nous pouvons prendre un nombre sanitaire qui est extrêmement important pour nous protéger la population contre une resurgence de COVID pour les touristes capables de continuer à revenir. Second, mais nous ne pouvons pas dire non, il y a Mauritius. Il faudrait notre fouille dans le budget pour nous trouver qu'il y a 9 milliards dans le fonds qui vous dépensez l'OM Mauritius. Si vous avez nous, qui vous fait avec ça? Est-ce qu'il y a l'équité qui vous mettez dans Mauritius? Est-ce qu'il y a quasi-équité qui vous mettez dans Mauritius? Est-ce qu'il y a un shareholder's loan qui peut donner? Est-ce qu'il peut servir ça pour payer dette à Mauritius? Est-ce qu'il servir ça pour payer un créancier à Mauritius? Est-ce qu'il servir ça pour dire qu'il vous paye du travail parce qu'il pension fund là? Il y a suffisamment de cash pour faire ça. Alors, il n'y a aucune transparence qui peut faire avec Mauritius. Ou si nous pas trouver une solution pour Mauritius, touristes pour une difficulté pour élever, parce que 50% de touristes qui viennent de Maurice sont transportés par Mauritius. Troisième affaire, qui n'est pas de moi, mais c'est le secteur qui vous besoin plus d'efforts en termes marketing, en termes PR et en termes distribution. Parce que it's going to be different post-COVID. Si nous pensons que nous allons continuer à faire marketing de façon traditionnelle, il n'y a pas pour marcher. Parce que le comportement, l'attitude et le behavior sont pour changer. Nous avons joué beaucoup le digital marketing. Nous avons donné notre confiance qui Maurice COVID-free. Et nous avons changé le style de faire marketing pour nous capables de gagner du monde. On nous a cassé pour faire ça. Où que nous trouvons, budget MTPA ne baissait pas 47%. Alors, moi, je ne connais pas.
pour un secteur qui est le plus affecté, qui fait pour moi 4 ans ou 5 ans pour recover, nous pouvons baisser quantité de casque qu'ils nous mettaient dans la promotion, dans le marketing, et pour nous capables d'améliorer la visibilité de Maurice comme une COVID-free destination, et nous avons dit, quatrième, qui n'est pas moi, vous connaissez? Pour un secteur qui a besoin d'une aide de l'État, non seulement pendant COVID, mais aussi quand on commence recovery, parce qu'il y a une compagnie pour opérer, nous commandons des kills, pour opérer à peu près 30, 35, 40% pour éviter de remplissage pendant longtemps. Oh, le ministre m'a dit non, rien, l'eau, wage subsidy, est-ce qu'il est pour continuer, pour aider ça maintenant? Combien pour donner ça? Quelles conditions pour mettre? Alors, mon antique, surpris, à part des mesures pour baisser le coût, c'est-à-dire qui louer la terre avec l'État. Évidemment, on peut faire ça on the supply side of the economy. Vous avez gagné un waiver pour 2 ans. Et après, la contribution qu'ils ont fait à, c'est ma mémoire, bon, à Tourism Authority et avec Beach Authority, c'est MBC, c'est enough. Mais si le touriste pas venu, on va pas résoudre le problème là. Et vous donner une petite contribution pour baisser le coût. Donc, mon ticket est étonné qu'il ne pas dire exactement quelle va être la nouvelle stratégie du tourisme. Tourisme vert, tourisme sustainable, digital tourism, qui nous pousse à dépenser, qui nous pour faire, qui contribution pour aider. Alors, mon reste un ticket, là, nous fait, comme dans les autres secteurs. Et mon pensée, c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup moins dans le secteur touristique, non seulement je suis appris, mais je paniquais maintenant. Tu peux arriver au secteur touristique, d'accord, faut un next tour frieuse. Et nous n'avons pas oublié, quand nous guettons le secteur touristique, direct, indirect et induce, il y a à peu près 20 à 25 % de contribution. Et il y a Rama, à peu près la même chose une question, pour hein. l'emploi. Qui est représenté en matière de masse salariale, à peu près, direct et indirect, dans le secteur du tourisme? Mon pas qu'on chiffre là, mon trouve les audits, mon trouve les audits. Et bon, encore une fois, nous avons directement l'hôtel, mon pénal chiffre là, mais dit par là, hein, mon trouve un article qui me paraît aujourd'hui, il dit le tourisme, on va 500 millions roupies, mais c'est charge qui est plus élevée dans ce cost, c'est évident. Et un effet. Maintenant, évidemment, nous avons un burden sharing, personne ne peut dire qu'il gouverne, vous avez un cadeau, vous avez un burden sharing. Que du monde bizarre contribuer, mais au moins tu peux annoncer une stratégie comment il y a pour aider pendant le recovery. Parce que là, comment je peux discuter le fait là des une sorte de rescue, maintenant nous devons venir recovery. Il y a besoin d'un stimulus package. Alors, mon ticket m'a très inquiet pour les touristes. Et le problème avec les touristes, c'est que les touristes ont un effet catalytique dans presque tout secteur économique. La banque pour affecter, devise pour affecter, un du monde qui fournit les guides. À l'hôtel pour affecter, un chauffeur taxi pour affecter, un dimanche qui gagne de la vie dans la place pour affecter. So the multiplier and the induced effect Ouais. is Vous prenez quand un quite hôtel fait une rénovation, c'est toute une série de secteurs qui est connecté là. bien sûr. Mais là, on va tellement si on a casse pour faire une Ouais, rénovation. hein. Là, c'est survie. C'est survie. Et me penser qu'il n'a pas bon choix, malheureusement. D'ailleurs, on trouve des grands groupes hôteliers. Fini commence à l'administrer à l'emploi pour dire qu'ils ont pu utiliser un nouveau clause qui est à nouveau la loi qui vient de passer là. Pour soi, je vous fais 4 affaires. Je vous mets 10 moun dehors. Je vous fais 10 moun travail part-time. Je vous fais le ban 10 moun, c'est-à-dire qu'il faut un 10 moun pour un livre dans le pays. Et après, un 10 moun qui est resté, vous pouvez prendre un salaire et vous offrez un bénéfice pour baisser. Et déjà, nous tous, nos camarades, un petit pays, on a un camarade qui travaille dans le secteur de l'hôtellerie, mais notre salaire, il baissait. Et elle a dit à la personne, c'est important ce travail. Alors, ces 4 affaires-là vont arriver véritablement. Un decrease in salary and benefit, un déjeuner pour me dire, un déjeuner pour le travail, c'est pas 45 heures, pour travailler beaucoup moins. Et après, c'est un déjeuner pour vous apprendre un long leave without pay, et quand vous retournez, malheureusement, hein, la loi prévoit ça, c'est une condition de travail pour se lancer. C'est Voilà, vraiment. voilà Dave. Kevin, vous gagnez un petit peu de views. Si ça va vous venir, vous pouvez écouter le radio et dans 300 manifestations
manifestants dans le secteur hôtelier, un employé secteur hôtelier qui peut faire une manifestation, qui prépare une manifestation pour bientôt. Donc, comment tu trouves les choses? Ben, mon raisonnement un peu, c'est qu'il ramène dire, c'est-à-dire qu'il le lendemain du budget, vendredi matin, il prend moins pas mal de temps pour comprendre ce qui est arrivé la veille, c'est-à-dire qu'il nous tipertane avec beaucoup d'attentes, qui pouvait venir avec une proposition vraiment concrète, mais aussi une proposition qui vient radicalement, vient démarquer tout de même budget d'avant, mais il y a beaucoup, beaucoup qui y a un ressentiment qui comment vraiment tu peux dire, c'est-à-dire qu'il nous reste dans nous la fin. Bon, le secteur du tourisme, quand même, c'est le secteur qui est premier affecté depuis mars et affecté terriblement, quand tout le monde l'hôtel fermé, quand même le futur, par exemple, au niveau visibilité, nous n'avons pour visibilité, hein. Ça, c'est une réalité. Si nous causons un hôtelier, aujourd'hui, moi, quand même, la plupart, vous dire, je pas si exactement quand pour ouvrir. Et il y en a beaucoup qui t'a souhaité, c'est le 1er juillet, mais il n'est pas, malheureusement, il n'est pas mars aussi simple qu'il ça. Bon. Nous est un pays internationalement qui peut arriver, énormément de pression qui peut arriver même en Europe. Nous trouvons que l'Europe, à l'intérieur de l'Europe, ça peut commence peut-être pour ouvrir à partir du 1er juillet. Et même dans l'Europe, il y a un pays qui peut faire un deal, un bilateral deal. Par exemple, la Grèce qui peut dire qu'il peut seulement accepter deux, trois pays en termes d'ouverture. Ils n'ont pas accepté pour le moment un visiteur qui vient depuis l'Angleterre ou l'Amérique. Mais nous aussi, nous pouvons passer dans sa main. Système, nous pouvons choisir avec qui pays nous pourrons ouvrir, éventuellement, step by step. Bon, ce qui veut dire que l'ouverture va être très difficile parce qu'il n'y a pas oublié qu'il nous a à peu près 11 000 la chambre dans Maurice, et qui est plus difficile que tout l'hôtel ouvert at the same time, at a cruising speed. Ça veut dire qu'il peut y avoir un groupe hôtelier qui peut bien dire, par exemple, je tenais 5 hôtels ou 10 hôtels, ils ont besoin de prendre une décision ouverte, deux ou trois, et ferme les restes, et puis, eventually, open as and when over this year, or next year, or maybe the year after. Après, il y a les autres, par exemple, qui nous ont fait trouver une tendance qui ont décidé pour fermer la porte, complètement. Nous trouvons Sofitel So, par exemple, un exemple, et dans les autres aussi, qui sont capables de dire, ils sont pas capables d'attendre, et qui, soit ils peuvent mettre la clé sous paillasson, ou soit ils peuvent bien fermer, until they've got far more visibility next year or the year after. Et dans l'hôtel Dans le budget, Ansana, il finit annoncé, il peut fermer jusqu'à ce que les affaires reviennent correctes. ben, je t'oblige à nous réaliser aussi là-dedans. C'est que quand nous pensons que l'année dernière, nous avons à peu près 1,4 million de touristes, et que quand certains peuvent dire peut-être l'année prochaine, nous pouvons peut-être pour arriver 500 000 ou 600 000 touristes l'année prochaine, 2021. Donc, okay, ça, l'année-là, nous connaissons. Nous avons au moins 6 mois qui write off. Mais moi, je fais une comparaison. Quand nous avons 500 000 à 600 000 touristes, ben, la dernière fois que nous avons gagné 56 touristes, ça remonte à 99, environ 2000-2001. Et ça, à l'époque-là, nous tenions peut-être la moitié parc hôtelier qui nous en a sorti. C'est-à-dire, il est compliqué pour garder tout ça dans la chambre-là ouvert. Et aussi, il est compliqué qui, malheureusement, pour garder tout le monde l'opéra, éventuellement. Alors, faut pas étonner, moi, je trouve, des trois l'hôtel qui nous a, on trouve la liste qui nous circulait aujourd'hui dans le journal, qui finit, mettait, qui mène l'hôtel, puis commence soit à réduire l'effectif, soit peut faire early retirement, ou soit peut même faire work sharing. Il y a certains hôtels qui peuvent faire ça, par exemple, travaille 3 jours par semaine, et tout. Bon. Maintenant, on revient dans ma mesure qui nous proposait dans le budget. En même temps, on est étonné par the lightness, si moi capable d'appeler, de ma proposition pour le tourisme. Et en même temps, on pas être étonné aussi. En même temps, qui fait moi pas étonné, parce qu'il nous connaît très bien, il y a 3 mois, nous t'y trouvais qui plan de relance de t'y mettre en place, man mesure, qui tient un peu caduque, en mars, pour attirer touristes quand frontières t'y peuvent fermer à travers le monde. Donc, alors. Et là, moi, vous dit ça, c'est que nous attendons, et pour moi, c'est là en fait, c'est là le concept que t'y bloquais pour Maurice. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous attendons un groupe d'immunes, qu'ils amènent un travail de l'opération, d'une certaine façon, en zot, zotpovine avec le futur du secteur du tourisme. Okay. Moi, pas connaît là-dedans, par exemple, combien, au niveau du ministère, par exemple, combien, pendant sa démoi-là, il dit, mais les autres causes avec mon groupe international, mondial, parce qu'il y a quand même un groupe qui est présent dans Maurice, comme Méridien, Radisson, etc., etc., Hilton, qui quand même a un gros network à l'international. Okay? Au moins, essaye, puise au niveau international,
qui peut-être se peut trouver. Comment, par exemple, et dans 2 mois de cela, la Chine commence à ouvrir. Comment on a un deal là-bas en Chine? Comment on a un deal au Taïwan, etc.? Parce qu'ils ont une avance, là, nous, parce qu'ils ont ouvert avant nous. Et tout. Alors, pour moi, c'est que, qui fait un mot pas étonné, c'est qu'ils nous continuent, trouver une solution entre un groupe d'immunes qui m'ont gagné l'impression, bon, un peu déconnecté de ce qui peut passer ailleurs. Et aussi, me trouve, malheureusement, un hôtelier du secteur privé et le ministère, et whether c'est l'ARIM ou MTPA, etc. L'ARIM, c'est pas un ministère, mais c'est le secteur privé. Tiennent l'occasion pour qu'ils travaillent sa action plan-là, sa strategic plan-là, ensemble. Et quand le ministre des Finances divine, il est annoncé, il n'est pas mis une surprise, good or bad, il vient des affaires qui nous finissent, travaillent ensemble, et puis ils annoncent au niveau de la population. Moi, ce qui me trouve une occasion ratée, encore une coûte, c'est qu'ils nous attendent que le secteur public, c'est-à-dire le gouvernement, le ministre des Finances, avec ce mandimoun qui est énorme, viennent avec une recette magique quand je pas de l'opération. Et là, on me donne un simple exemple. Hein. Okay. Nous tous connaissons, par exemple, depuis plus que 5 ans, en fait, dans la plupart du budget qu'il fait depuis 5 ans, il mettait qu'il pouvait revoir « the branding of Mauritius ». Parce qu'il n'est pas bien, « the branding » qu'il fait pour Maurice, remonte à l'époque, si je ne m'ai pas trompé, quand Xavier Duval, ministre de tourisme, qui Maurice, c'est un plaisir. Et après, tout le temps, nous nous bloquons, ça met nous vient à un branding. Alors là, on me trouve dans le budget actuel, puis Révin met mêmes affaires et New Tourism Branding. Une deuxième affaire, on trouve, par exemple, Zunvin annonce the commercial partnership avec Liverpool. Bon. Là-dedans, nous connaît, hein, qui, par exemple, Liverpool, quand on guette nos marchés anglais, il représente à peu près 10% de notre total market. Et qui, aussi, si nous faisons un survey, nous pouvons trouver qui, pourcentage dans sa 10%-là qui sont aussi Liverpool, ou fans Liverpool, peut-être des very minority. Vous ne connaissez combien des Halles Liverpool, par exemple, it's not a thriving city, en plus. Oui, hey, on est allé là-bas, c'est pas mal. On a plus tendance, on peut trouver un Dimoun sorti Liverpool, pour aller, peut-être pour aller, Ibiza, par exemple, qui pouvait être Maurice, ou pour aller dans une petite île à côté dans l'Europe, etc. Alors, et pour moi, c'est là, souvent, nous peut trouver dans nos man economic pillars, we don't talk to the market pour connaître qui bisa faire. Et nous save immédiatement une solution. Et comme Ramain dit, hein, pour me trouve ça aussi un peu choquant que le budget de MTPA il diminuait. Comme on guette les autres pays, Singapour ou même en Thaïlande ou en Indonésie, etc., tout augmente le budget marketing au niveau du tourisme. Comme on guette même au niveau de l'Europe, ces derniers 2 mois-là, man là aussi augmente le budget de marketing. Que je lance un aggressive marketing. Et par exemple, il y a un pays comme en Sicilia, par exemple, Corsica et tout, qui peut même refund mon billet d'avion de mon futur touriste qui peut venir dans ce pays quand ce pays est ouvert. Okay. Ça a sorti d'un budget, ça. Okay. Alors, nous réduisons à nos budgets. Hein, et deuxièmement, nous venons avec mon tactique, j'ai l'impression marketing, qui m'appelle un peu old school. Aujourd'hui, nous avons besoin de dire, OK, the new norm, comme le ministre India dans sa première phrase qu'il dit, hein, quoi, hein, il dit new world, new normal. The new normal, c'est digital. Tout le monde connecté, c'est là que le marketing l'a bien passé. Et moi, je trouve, non, il y a qu'une cause, l'eau, qui nous peut faire au niveau digital, qui nous peut faire au niveau sa marketing-là. Bon. Après, man, les autres mesures qu'il a annoncées, par exemple, comme Invest Hotel Scheme, qui IHS, il l'a, quoi, à l'époque, depuis 2008, moi, quoi, après la crise financière, si je ne me trompe pas. Mais ce scheme-là, il donne le propriétaire de la chambre, d'un hôtel, 45 jours de jouissance pendant l'année. Et là, je n'augmente plus à 90 jours. Par exemple, je ne connais pas, est-ce qu'ils ont fait une survey pour comprendre qui faire? Est-ce qu'il y a une tactique derrière ça, etc. Alors, quand je vais les autres mesures qui ont annoncé, il y a à peu près une dizaine de mesures, je vais l'impression parfois, nous annonce une mesure, mais il y a une cohérence overall. C'est ça qui manquait là. Manquait une cohérence, c'est-à-dire, do we announce measures for the sake of announcing? Un peu comme 3 mois cela, quand le type augmente le nombre de duty-free bouteilles, duty-free d'alcool, qui pas fait make sense il y a 3 mois. Ben, quand on get ça au niveau du tourisme, on ne trouve pas quelque chose qui vraiment sortit pour venir dire qui nous peut faire au niveau de la Mauritius, qui m'a un pays potentiellement nous pour ouvert. Qui nous peut faire en termes de l'aéroport et au niveau protocole sanitaire, qui est important aussi. Et
Et puis aussi, qui nous peut faire au niveau marketing de nos juridictions immédiatement. Alors, pour revenir à ça, c'est que je trouve lui un peu, je trouve lui très light pour un secteur qui ramène beaucoup pour Maurice au niveau Forex, qui crée beaucoup d'emplois, one of the biggest employers, et aussi qui, quand même, Maurice est connu à travers le monde pour ce tourisme, quand même. Merci, Kevin. Pour moi, c'est ça qui est dommage. Vraiment, justement, l'eau, ça point là. Et secteur tourisme, il rapporte beaucoup en matière de devises. Donc, si moi écoute toi, Kevin, pour ça, 6 mois, juillet à décembre, pas qu'on est même combien de touristes pour gagner. Si l'année dernière, il y a 1,4, on pas qu'on est si pour arriver même 400 000 ou 500 000, il n'y a aucune idée. Donc, directement, il y a l'incidence, les autres secteurs, parce qu'il prennent un manque de devises. Ok, moi pas cause l'emploi direct ou indirect, mais comment tu trouves les choses vraiment? Qui te pensait qui capable faire à ce stade-là, parce qu'il nous parle d'un mode, comment te dire, rescue to recovery. Qui te propose avec ce qui nous est là comme marche de manœuvre, qui nous connaît? Bon, okay. Parce que de touristes, hein. Une fois, nous tu vas connecter lui avec service financier, parce qu'il nous bascule le service financier juste après. Oui, oui. Bon. Un problème qui nous peut gagner aujourd'hui, c'est le manque de devises de marché. Et c'est pour ça que la Banque centrale, il nous a intervenir pour empêcher de l'or à pression encore. Et nous devons faire bien avec ça. Parce que le pilier qui fait des devises rentrer en très grande difficulté. Touristes pas venus, c'est-à-dire ne pas gagner des devises. Zone France en difficulté. Services financiers. Et de briller pour le moment, ils vont penser qu'il puisse devant pour un problème si ne pas sortir de sa, la liste grise de Financial Action Task Force ou bien la liste noire de l'Union européenne. Même ICT BPO, d'ailleurs, on est étonné. Un secteur qui compte pour à peu près 5,8% du GDP, on a un seul mot dans le budget. J'aime trouver ça, un seul mot dans le budget, le ICT BPO. Et je sais, on a un problème. On connaît des bonnes firmes qui sont dans le BPO. Notre recette, il me baissait pas à peu près 50%. Alors, nous pouvons ouvrir nos frontières et nous pouvons faire des quelque chose. Un, prendre une mesure sanitaire, nous sommes capables de contrôler ça pendant des mille ans. Et l'autre, dire avec qui pays nous pouvons commencer à accepter les touristes, comme Kevin nous dit, pour nous commencer un débit d'activités nouvelles dans le secteur touristique. Et après, mon conseil, nos stratégies de marketing est extrêmement important. Un côté, le twin jelly, ban mode et ban méthode pour faire marketing insensé. Nous avons beaucoup plus l'avance de digital marketing, mais en même temps, nous avons rassuré ban touristes qui se sont Maurice, bon, le COVID-free, et ban sens qu'ils ont gagné un problème sanitaire très très bas. Et ça, nous y arriverons. Un élément de bonnes affaires que le gouvernement fait, nous réussissons une maîtrise. La pandémie au niveau médical. Donc, le grand problème qu'il y a, c'est le problème économique, les virus économiques, les virus financiers. Et nous avons une nouvelle stratégie pour le tourisme. Parce que la façon qu'il nous fait dans les passés, mais nous ne pouvons pas résoudre ce problème-là. L'autre issue qui est là, même touriste revenu, le yield dans le tourisme peut baisser considérablement parce qu'on a beaucoup de compétition. Kevin fait plaisir, qui est un pays. Paye ou billet d'avion pour qu'à venir. Bon, c'est difficile pour nous faire ça parce que c'est bien loin. C'est extrêmement difficile. Mais nous, vous êtes tous les autres gazettes. Pour le cas, j'ai dit, bon, venez. Je ne suis pas là pour un petit vin, je ne suis pas pour un massage en plus, ou bien si vous venez pour 5 jours, ou payez pour 3 jours, nous, tout connaît différentes façons de faire ça. Alors, non seulement nous n'avons pas un problème, le nombre de touristes pour baisser, mais le yield from tourism aussi pour baisser. Quand les touristes, supposés rapporter nous à peu près 60 à 70 milliards. Roupies en termes de devises. Et là, les pour baisser considérablement. On trouve une estimation qui dit qu'il y a beaucoup de fois moins que 40% de ce montant-là pour cette année-là. Et ça nous peut dire ça, que si il reste pareil, le nombre de touristes baissait. Maintenant, si il aussi baissait, c'est-à-dire que nous tous connaissons qu'en moyenne, un touriste dépense à peu près 100 euros par nuit à Maurice. Et si ça baissait, évidemment, ça pourrait avoir un impact sur les recettes touristiques. Et c'est un élément de secteur qui m'a pensé que nous avons une plus grande priorité. Parce que, comme on a dit,
énormément de secteurs qui vraiment en difficulté. Énormément de secteurs qui pour répondre relativement vite, énormément de secteurs qu'il faut pour répondre dans un an, dans deux ans. En compte tourisme et Mauritius, co-hospitality industry, I think it's going to be very difficult if you mettre un peu le paquet là-dedans. Et nous avons décidé qu'il y a un moyen pour intervenir. Même l'OMIC, on trouve une contradiction terrible entre le communiqué de la Banque centrale qui dit de pouvoir investir dans le manufacturing et dans les touristes, et le ministre qui vient dire de pouvoir investir dans le pharmaceutique, de pouvoir investir dans quoi, la pêche, et de pouvoir investir en Afrique. Au moins, si vous êtes dire, ce qu'il nous faut faire pour nous défendre dans ben, l'entreprise stratégique de pays pour nous empêcher chômage, pour nous empêcher aussi fermeture, et pour nous capables de nous autres, au moins un bouée de sauvetage, pour at least 1 year or 1 year off. Mais vraiment, au contraire, je mets taxes plus à l'entreprise, et nous pouvons faire notre charge sociale augmenter, et une plus difficile, et nous pouvons perdre nos compétitivités, nous pouvons aussi perdre nos attractiveness comme une destination. Merci. Mais dans la pratique, hein, au niveau MIC, comment, avec ou l'expérience en tant qu'ancien ministre des Finances, vous trouvez ça fonctionner? Donc, vous pouvez supposer, MIC, c'est je pourrais investir dans l'entreprise, c'est pour besoin pour un certain nombre de shares, pourcentage dans l'actionnariat, avant qu'il y ait une entreprise, vienne actionner à une autre entreprise, il vous a évalué, vous guettez comme il vaut. Comment ça vous passe? Est-ce qu'il, par exemple, une entreprise qui vaut, allez, disons-le, 500 millions actuellement, ben, par rapport à Mokona Intel, les FSO, l'entreprise vaut des millions? Difficile. Vous avez discuté. Dans beaucoup de pays, vous mettez Lufthansa, une bail-out pour le gouvernement allemand, mais il a acheté une chaise là, à des discounts. Singapour est là aussi pour faire ça. Elle n'est pas claire dans mon esprit. Encore une fois, quand nous lisons le communiqué de la Banque centrale, les gens qui vous servent equity et quasi-equity. Est-ce qu'ils vous servent debenture, ils vous servent redeemable preferential, ils vous servent convertible bond, il n'est pas qu'on dit. Il n'est pas qu'on dit qui se governance structure pour être, d'accord, et comment il peut investir. Et moi, je ne connais pas un débat compagnie là pour envie que l'État rentre comme actionnaire. Even for a very short period of time, de 1 an ou 2 ans, ou bien j'ai pas envie, un loan at a very low rate of interest. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de compagnies là, they are very, very leveraged. Alors, il y a un problème. Il y a aussi une contradiction. On est quand on get section 46 de la Banque centrale, parce qu'il peut tirer sa casse là, et puis réserve. Oh, section 46, il y a réserve, il y a investi on the basis of security, liquidity and return in that order. Alors, pas évident que s'il est respecté sa consigne de sécurité, liquidité et return, ou qu'il a investi dans certains secteurs, au fait, pas évident qu'ils ont pour faire profit, et pas évident qu'ils ont secure, et pas évident qu'ils ont liquide. Par exemple, dans une France manufacturière. Alors, on a un problème. Alors, mon pensement, je vous ai fait une dérogation, parce qu'il y a un côté vraiment un pan stratégique de l'économie et le côté, il y a sa clause de la Banque centrale là, qui dit qu'il a besoin d'investir pour être sûr qu'il y a sécurité, qu'il y a liquidité et qu'il y a return. Mon besoin de dire, mon ticket agacé qui peut mettre Ban Ki-moon l'eau, sa governance structure là, est capable d'un conflit d'intérêts. And this is not good. Hein? Nous ne sommes pas capables, moi bien, non, quand on se met un djibouna, c'est compétence, hein? À cause de des compétences. Mais on ne peut pas mettre un djibouna qui est un beau directeur d'une compagnie, et sa compagnie-là, pour Vindiman, passe à MIC. Et ça, l'argument qu'ils ont dit, là, vous n'avez qu'un dossier là, minimum pour sortir là. Ça, on ne peut pas faire pour ça. Alors, moi, pensez-moi, si vous avez un djibouna qui est vraiment indépendant, et pas moi qui est un djibouna indépendant. Et moi, tout ça, les trois pas, c'est le fait qu'il n'est pas bon. Hein. Même dans Board of Investment, ou un Benjamin, qui, dans la même, peut venir demander en faveur, de Benjamin, peut demander autorisation à Board of Investment. Il y a un conflit d'intérêts. Et il y avait un mauvais signal. Parce qu'il y a un Benjamin qui n'est pas dans son entreprise. En tout cas, penser qu'il y a une entreprise pour gagner un avantage
par rapport à par les autres compagnies et pour une aussi access to privileged information, which is not good. Alors, qui est la banque centrale qui a investi et créé un special purpose vehicle, mais qui a pris assez de détails. Comment ils ont investi, qui instrument ils ont servi, comment ils ont fait cette évaluation, est-ce qu'ils ont servi action, ils ont servi action, est-ce qu'ils ont eu une bonne condition, et nous tous connaissons une bonne condition qui mettait. Pas pour les gros dividendes, pas pour un buyback, l'exécutif pour qu'ils apprennent une réduction dans le salaire, et comme étant les bougots de ça, est-ce qu'ils lui demandent une place le board comme une directeur, pour les cas connaît comment servir sur place. So, tout cela encore très, très confus, et m'espérer, moi, qu'il soit le ministre ou bien la Banque centrale, me dire exactement, over and above the governance structure, et comment il y a, je peux déployer un asset qui trouve dans MIC, parce qu'il nous cause beaucoup de cas, il nous cause 80 milliards roupies. En fait, quand on a 80 milliards, plus 60 milliards, plus 18 milliards, mais le plus qui budget qui gouvernement il me présentait. Alors, business à transparence, business à governance et business à accountability. C'est comme ça que moi, je me suis proposé que l'utilisateur mette ça dans l'act of parliament et l'utilisateur dans une commission de finances et de l'économie du Parlement qui supervise ça au moins un oversight. Et nous avons la chance. Il y a beaucoup moins d'anciens ministres des Finances et d'un Parlement. Je ne suis pas capable de faire le ministre des Finances, je vais faire tout him. Il préside le comité. Et après, le leader de l'opposition, Xavier Dival qui nous a ministre des Finances, Paul Béranger qui nous a ministre des Finances, ça m'a dit, là, c'est là, at least you have an oversight pour make sure que l'argent peut être utilisé à bon escient. Mais encore une fois, nous allons francs, pour une bonne perte, hein, make no mistake. Pour une bonne perte. Moi, je me pose question à Bandimoun. Si on a casse aujourd'hui, est-ce que vous mettez ça dans le secteur hôtelier? Pas évident. Bien sûr. Pas évident. Bien sûr. Oh, alors, il n'y a pas de problème. Hein? Kevin, je vais rapidement, par rapport à la Banque de Maurice, avant qu'il nous bascule au secteur manufacturier et industrie, il n'y a pas d'auditeur. Est-ce qu'à la fin prochaine année financière, est-ce qu'il dans ban compte, que ce soit pour MIC ou BOM, est-ce qu'ils ont pu disclose, est-ce qu'ils ont besoin de disclose, qui côté il investit, combien, etc., sous qui façon? Parce que si on a la transparence, de façon nous peut trouver là, il y a une grande perte de confiance. Bien sûr, Dave, c'est que d'abord, nous avons un point d'affaire, c'est que la Banque centrale, si, bon, pour Eni Lehman, si je t'allons sur le website, je peux trouver, il supposait une institution indépendante. Et même le jeune gouverneur, il fait une interview à peu près la semaine dernière ou la semaine d'avant, sur Enderman Radio, il dit qu'ils opèrent indépendamment. Bon. Je tenais une board indépendant. Maintenant, MIC, il supposait éventuellement une filiale, 100% une filiale de la Banque centrale. Bon, ce qui veut dire, en théorie, que MIC supposait une board qui gère la stratégie de MIC et aussi un executive team, un management team avec différents comités. Bon, il les a trouvés. Pourquoi on ne peut pas en confirmer que le chairperson a été ou pour appointed. Pourquoi c'est l'autre Desai, par exemple. Et aussi, on trouve quelques noms qui ne fait circuler là aujourd'hui au niveau de deux ou trois dimounes des secteurs privés ou qui pourra pour une tête comité là-bas. C'est, en gros, c'est que MIC, il est supposé independent company, okay, qui prend seulement des décisions, qui, comment il pourra allocer cette money, qui secteur il pourra allocer, est-ce qu'il peut continuer à mettre dans man all économie ou new economy par exemple, et aussi qui compagnie il peut choisir et qui type d'instrument comme Rama India Tayala en termes de equity et quasi equity. Là-dedans, bon, nous vous inquiétez, hein, qui peut arriver. Quand, disons, moi un peu confused, c'est sur le mot independence. Okay? Parce qu'il n'y a pas bien de dire la Banque Centrale indépendante, MIC aussi indépendant. Mais en même temps, nous gagne, jeudi dernier, le ministre des Finances, il finit. Il finit annonce qui secteur il peut investir, combien il peut allocer. Et là même, moi, mon question is how independent is it already? Parce qu'il nous besoin clair dans ça. Okay. Est-ce que je ne finis décidé out of sa 2 milliards de roupies, qui aujourd'hui, mon compte, il vaut 80 milliards, 2 milliards de dollars qui vaut 80 milliards de roupies, est-ce que le ministre des Finances, il finit allocer, c'est-à-dire il finit cook
comment ça, l'argent pour distribuer. Bon. Et puis, éventuellement, la complication va être, bien sûr, par exemple, quand nous cause le secteur de l'hôtellerie, the reality, c'est que il y a beaucoup d'hôteliers pour trouver ça bien difficile to sustain the hotel, to sustain the bank payments, to sustain opération, parce que l'opération will take time to recover pour arriver cruising speed. Il n'a pas dire, il a même par exemple le CEO de Beachcomber, il me dit, pour prendre au moins 2 ans pour revenir potentiellement comme en 2019. Ça veut dire, it's very hard. À ce dans ça, les temps-là, bon, pas quoi, moi, MRIC, pour capable à le bail-out tout l'hôtel. Il faut bien faire un choix, qui l'hôtel lui bail-out, qui management team lui pour bien back, par exemple. Okay? Est-ce qu'il y met good money after bad ou ça y met good money after good aussi? Alors, tout ça, là, c'est une décision critique qu'il faut bien faire au niveau du secteur du tourisme, mais aussi au niveau de les autres secteurs qu'ils ont dit, au niveau manufacturing qu'ils ont dit, earmark. Et après, éventuellement, il y a aussi cause man new sectors, il y a cause pharmaceutical, medical, agriculture. Bon. Moi, moi, espérer, c'est qu'ils mettent une bonne équipe en place qui connaît ce métier-là, comment analyser, et aussi connaît comment évaluer sa man asset-là. Par exemple, un hôtel, ils ont dit, comment nous value-li? Est-ce qu'il nous value-li basé sur actif qu'il tenait avant? Est-ce qu'il nous value-li basé sur share price qui était aujourd'hui ou qui était hier? Ou est-ce qu'il nous value l'eau, c'est qui return qui nous permet nous dans le futur, par exemple, qui might be very different, ça, comparé de sa return qui nous permet nous avant dans le passé. Parce qu'il n'y a pas bien un man l'hôtel, par exemple, qui pose un sans autre business model. Il y en a, par exemple, qui pense même, peut-être, pour convertir une partie de autres man l'hôtel ou autres man la chambre en man retirement, retirement places pour man, pour même pour man mauricien, par exemple, hein, parce qu'il n'y a pas bien, nous arrive à une aging population. Et nous connaît déjà, nous trouver à travers nos mêmes familles, nous trouver qui est arrivé, Mandibou Kevin âgé, peinant suffisamment l'encadrement de support, d'infrastructure pour Banda. Peut-être, il y a certains hôtels pour dire, ben, mon recycle, moi, là-dedans, parce qu'il m'a pas capable d'attendre 3 ans pour attendre mon hôtel rempli, comme c'était avant. Oui, non, ça aussi. Mais tout ça là, ben, moi, espérer qu'il y ait l'équipe de management là pour capable, vienne faire sa travail là. Bon. En même temps, nous, besoin comprendre aussi, hein, c'est qui. Nous peut causer un travail qui est bien difficile parce qu'il faut avoir beaucoup d'immunes qui peut-être tapent la porte pour le financement de MRIC parce qu'il y en a quand même beaucoup d'hôtels, beaucoup de textile companies, beaucoup de manufacturing, etc. Et qui, pour moi, l'irévine encore, Dave, ce qui nous a causé avant, c'est sur la compétence. Écoute, moi, moi, dans mon réserve, j'ai déjà écrit à l'OSA récemment, moi, quoi. Pour moi, Zodi, est-ce qu'il nous cause new normal, qui le ministre indique, et qui nous prend une chairperson as Lord Desai, ou soit nous utilisons prendre une Dimoun qui vraiment une travail dans private equity, qui une travail dans investment fund, dans l'opération, hein, as chairperson, par exemple, rather than a professor at university. Pour moi, c'est là que je me trouve en un conflit, c'est-à-dire de nous reste toujours avec nos old paradigms. Quand je peux rien contre la personne, hein, je peux dire, this, c'est-à-dire qui nous besoin beef up sa MRIC là, man dimoun vraiment qui comprend qui peut arriver, qui connaît comment faire investissement, mais aussi qui connaît where the future is going. Par exemple, me donne un simple exemple, man dimoun qui peut écouter nous, allo website de GIC of Singapore qui est l'équivalent de MRIC de Maurice, I'll get sa investment board qui man un setup, mais nous vous trouvez qui investment board là, il remplit man dimoun de man fonds investissement. Qui basait Londres, qui basait l'Amérique, et Namandimoun, comme Mohamed El Arian, par exemple, qui peut faire investissement dans le réel d'aujourd'hui. Pas Pévin, discours en théorie. Okay. Après, moi, d'accord, le point qui ramène dire, nous, vous avez fait attention aussi, qui permet de Mandimoun, dans le contexte Maurice, hein, il est compliqué aussi dans Maurice, parce que tout le monde famille, tout le monde related in one way or the other, nous, vous avez fait attention, qui permet de Mandimoun, que will be perceived as conflicted. Mm-hmm. Parce qu'il, directement, indirectement, c'est un man stake, dans man affaires qui nous capable concise as conflicted quand éventuellement man dimoun capable dire ben voilà une ferme un deal pour man petit copain petit copine etc. Pourquoi moi si man a ti met man structure bien appropriée very good governance around man dimoun solide et pourtant il y en a beaucoup dimoun solide ben mon pensée ben là MIC capable live up to its aspiration et qu'il y pas revin un lot SIC par exemple quoi ou un lot DBM éventuellement I hope it doesn't become like that. Mm-hmm. That it becomes a GIC. Yeah.
Pour autant. Vraiment, si c'est mon lot, ça point là. Oui. Bon, après, nous bascule sur l'industrie. Et une affaire qui me passe dans la tête. Donc, quand une compagnie investit dans une autre compagnie, pépina, si je ne mets pas, pas gagner droit à payer dividende, etc., uniquement, mais il y a 10 000 façons de détourner ça. Parce que tout ça, une grosse compagnie là, un intralier filiale, X qui est actionnaire, Y de l'opération, l'autre c'est propriétaire de ceci, l'autre gère tel parti. Donc, tout ça va en détail là. Est-ce qu'il vient dans la Finance Bill ou non, il est indépendant? Non, non, ça va dans la Finance Bill. Ça c'est le MIC, Calif pour prendre. De toute façon, you cannot have one size that fits all. Mm-hmm. Ou dépend dans quel secteur il peut investir. À l'intérieur du secteur, qui compagnie ou investir, nous prenons l'exemple touriste, est-ce qu'il est pour investir dans tout pan de terre à Maurice? Et après, en fonction de ce business plan et en fonction de ce cash flow, il est bien protégé sur l'investissement et il est capable de mettre en condition. Et nous tout connaissons que c'est une conditionnalité. Et s'il pense qu'il est pour un silent partner, il n'est pas intéressé à un dividende à long terme, mais il est bien assuré qu'il gagne ce cash dans les 4 ou 5 prochaines années. Et comment gagner ce cash là? Ben, vous pouvez. En Amérique, comment vous faites ça? Pas de gros dividendes, peinant en share buyback. Mais vous avez aussi un peu de flexibilité. Le moment, pensez-moi, qui vous dépend de quel secteur et à l'intérieur du secteur, il vous dépend à quelle entreprise qui nous peut payer là et qui instrument financier aussi peut servir. Bon? Si nous avons servi equity, bon, là, évidemment, il vous besoin de payer. Si vous savez écouter, c'est plus compliqué parce que lui, vous avez un dividende. Bien sûr. Alors, à cause de ça, vous pensez que nous vous avons suffisamment de flexibilité pour être capable d'accommoder certains secteurs tout en gardant en tête la nécessité pour que le fonds qui est MIC et investi dans sa compagnie-là, at least it's secure et il n'est pas perdu. Malgré le fait que moi, vous pensez, moi, prenez un peu de perte, make no mistake. On va trouver comment MIC, s'il est investi, même investi en Afrique, et you think it's going to be easy? Le ministre Nidia Moussa qui dit qu'il va investir 10 milliards dans une special economic zone. And this man, special economic zone, it's going to be very difficult for them. Hein? Et à Maurice, le grand problème qu'il y en a, plus le secteur est stratégique en termes d'importance dans la croissance, dans l'emploi, plus il y a de difficultés aujourd'hui. C'est un peu ça le problème. Alors, il vous besoin d'investir parce que c'est un secteur stratégique, mais de l'autre côté, il y a assuré que we are not throwing good money after bad money. Mm-hmm. It's going to be very difficult. According to me. Nous passons à l'industrie et secteur manufacturier, comment on cause le SIZ, donc essentiellement l'Afrique de l'Ouest, hein, parce que Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire, etc. Mais il y a un projet depuis plusieurs années, hein, 4 ans par là, le projet de warehouse en Tanzanie, avec Kinpote via la Mexa, AMM, Made in Maurice, etc. Donc, nous secteur industriel mauricien, il y a quand même une bonne opportunité actuellement. Comment capable faire par rapport à sa bonne mesure qu'il mettait là, bon, c'est juste go to market. Qui besoin ajouter, qui ingrédient qui capable manquer pour qui l'industrie mauricienne est réellement décollée. Bon, moi d'accord, qui est mauricien, bizarre, achetez moins ceci, ce qui est importé. Mais, qui vous advise un petit peu pour la prochaine année, à Rama? Bon, quand on regarde l'industrie, pour moi, il y a 3 ou 4 aspects de l'industrie, hein, depuis cause transformation. Hein. Épisode, ou bien ce qu'on appelle export-oriented industry, extrêmement important, parce que nous tout connaissons qu'il y a dans le textile, le garment, le GSIC, le seafood hub, et le ICT BPO, et après le comme bijouterie, comme un P, medical cafeté, tout ça. Ça, mon business, je n'ai pas tout grand-chose dans le budget, à part mes mesures traditionnelles, chez nous, export guarantee, avec freight rebate scheme. Mais le plus important, il faut donner la demande. Si vous avez la demande, it's going to be very difficult. Et
nous avons 5 dernières années, nous vous trouvez que l'export oriented industry, surtout la partie textile et l'habillement, en déclin. C'est un constant problème qui nous peut faire face aujourd'hui. Ce n'est pas COVID-19. Le COVID-19 a gros les dos. C'est avant COVID-19 même que tu commences à avoir un problème. Non seulement en termes de croissance, en termes de dette, mais aussi en termes de secteur. Tout le secteur, c'est presque malade. Le tourisme a tiré un peu l'année dernière, le sucre et la zone France manufacturière, ce share of GDP, il baissait considérablement depuis 10 ans. Second, nous avons, disons, import substitution, ce que moi appelle domestic oriented industry. Alors, plus fort là, il y a une possibilité parce que c'est une frappe bandimoun pendant la pandémie. C'est comment hier nous sommes tellement dépendants de la supply chain, non seulement au niveau manufacturing, mais aussi au niveau agro-industrie et puis dans les autres pays. Et ça, il affecte nous. Par exemple, même moi, ça supermarché maintenant, mais quand c'est la fin, nous, on peut trouver, parce que ça, c'est une vidéo. Alors là, il faut une opportunité. Maintenant, c'est pas appelé ça nationalisme économique, ou bien protectionnisme économique, ou bien import substitution, ou bien sécurité alimentaire, ou bien créer une base industrielle de transformation, l'OSA. Donc, you call it whatever you want. Maintenant, effectivement, une opportunité. Et nous avons identifié cette opportunité-là. Alors, dans l'agro-business, nous trouvons les. Qui est possible. Nous avons identifié qui nous a envie de faire. Par exemple, moi, je suis étonné que nous devons nous mettre 10 millions dans l'Afrique pour la sécurité alimentaire, nous avons une ville autosuffisante. Dans qui nous pouvons investir? Quelquefois, du riz et de blé, capable de compliquer. Fruits et légumes, should be easy. Dairy product, maybe we can do it. 10 œufs avec poulet, nous plus ou moins autosuffisants. Abonnez-nous en poisson, abonnez-nous en la viande. Alors, nous devons identifier qui va les légumes, qui va les produits, qui nous pensons nous allons faire. On est large scale, hein? Pas planter dans nous la course, pas qu'il a fait large scale. Et nous devons servir par une méthode artisanale. Nous devons servir mécanisation. Nous devons servir artificial intelligence. Nous devons servir robotisation pour nous capables de gagner efficiency. Parce que sinon, nous avons un problème. Le scale est plus difficile pour nous compter, à moins de mettre une barrière tarifaire. Et là, il y a un problème. Et ça, si nous faisons attention. Notre ministre, il y a vous ça, il augmente tarif logistique. Sorry, c'est dur. Parce que d'ici là, on peut sortir d'un pays sadé qui est comme ça. Mais quand nous importons des pays sadé qui est comme ça, il y a peine à taxe. Peine à taxe. Alors, c'est ça. Nous faisons l'ouverture, nous rentrons dans un regional economic market, et nous tout connaissons quand nous rentrons là-dedans, c'est nous avons baisse de tarif, et nous avons aussi baisse de non-tarif. Non-tarif barrière. Alors, énorme d'opportunités. Vous pensez dans agro-industrie, transformation, bon, mais nous pouvons investir dans le stockage. Par exemple, pommes de terre. Pendant 6 mois, nous avons un stockage pour pommes de terre. Pendant les 6 mois, nous pouvons importer. Nous pouvons investir dans la transformation, parce que ça, c'est important. Nous pouvons transformer ce genre d'affaires-là. Alors là, on a toute une possibilité que nous pouvons faire, et même affaires dans la zone France manufacturière. Après, nous avons une troisième possibilité. Nous tournons un ticket, un dé, de manière domestique orientée industrie vers la région, pour être exporté. Et c'est là que sa stockage capacité-là vient important. Faire ça dans l'Afrique. Mais encore une fois, il faut être capable de gagner market share, il faut être capable d'exporter, il faut être capable de compétir avec les autres pays. Alors, énorme d'opportunités, et vous pensez, moi, qui nous pas. It's a motherhood statement qu'ils vont trouver. Le manufacturing et aussi le self-sufficiency. Mais vous pouvez trouver, je dirais, un business plan qui vous dit dans qui ce client nous pouvons faire, qui va l'aide nous pouvons faire pour nous faire ça, qui quand c'est la terre nous pouvons faire, est-ce qu'il nous peut inviter Bandimoun en dehors ou aussi Bandimoun Maurice, est-ce que ce client privé traditionnel intéressé rentre dans agricultural diversification ou bien en food security, à ce poste dans les autres secteurs, est-ce que l'État lui-même qui a constitué un food bank ou invite dans les autres pays venir, ou bien dans les Mauriciens, faire ça à large scale, on pense qu'il y a une opportunité dans tous les deux, mais nous devons créer un environnement pour capable assurer qui nous fait aller. Et en tant qu'ancien ministre des Finances, il y a une question qui peut passer à la tête, parce qu'il y a plusieurs années de cela, il y a une réunion avec
FS, des beauty FS, etc. Lo un projet spécifique lo l'expo en Afrique. Donc à chaque fois, moi t'en dire que gouvernement pas capable faire ça travail là pour aller faire l'expo, c'est travail secteur privé pour eux aller. Ok, bon, nous connais qu'il faut les moyens pour aller faire expo de ben services ou produits en Afrique. D'accord. Donc Kevin, toi qui présent en Afrique, si je fais un parallèle, hein, je vais l'ambassade de France, il y a une mission économique. Donc, tout ce qui est l'ambassade, c'est un officier de l'État spécialisé, un vendeur, un marketing guys, qui a l'assas dans le pays, dans le territoire que c'était. L'Estonie, même affaire. Singapour, ici, c'est une compagnie, gouvernement singapourien. C'est lui qui a l'assas. Quelqu'un qui en a composé comme produit et autres, et là, il amène ce secteur privé avec lui. Mais qui, pour quelle raison, dans Maurice, ce genre de choses n'est pas capable de faire, d'après ce qu'il me comprend? Enfin, c'est pas capable, c'est-à-dire, c'est pas question d'être pas capable, nous capable de faire, mais il faudrait qu'il y ait une bonne méthodologie et des bonnes personnes pour drive ça m'en a fait là en Afrique. Écoute, d'abord, nous sommes réalistes. Quand on compare un pays comme la France, parmi la France, il y a une grande puissance. Il y a une histoire coloniale avec l'Afrique francophone, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, depuis plusieurs décennies, etc. Et après, je tenais aussi un organe, comment l'Agence française de développement, comment Propaco, etc., qui m'a un instrument, qui s'est servi, comment Singapour aussi. Hein, Singapour, il y en a Temasek, GRC, il y en a ce équivalent de VDB. Nous, un petit pays, nous comptons très bien, qui dans le contexte africain, on est très petit. C'est ça que nous avons réalisé. We are very small. Et, on les a dit avant aussi dans notre panel, c'est qu'ils nous ont adopté une stratégie africaine un peu, comment dire, une balle fanée. C'est-à-dire, nous payons des tirs à tirer. Tu connais, une coûte nous Sénégal, une coûte nous Ghana, une coûte lendemain nous Côte d'Ivoire. Et puis demain nous vient Tanzanie, etc. Moi, mon quoi, ce qui nous dit besoin de dire, c'est qui? Nous besoin SILEC, c'est-à-dire, bon, nous avons l'approche SILEC avec nos secteurs privés, parce que nos secteurs privés aussi, nous besoin réaliste, hein. Cash flow very tight, nos secteurs privés. Ou capable d'avoir 1 million de roupies dans Maurice, as soon as you cross the border, ben, 1 million de roupies, il n'y a pas vaut grand chose pour faire investissement des hauts. Parce qu'il a pas au pécos en dollars ou en euros et tout. Bon. Et au pécompide avec man géant. OK. Alors, moi, me pensais que c'est que la stratégie africaine aurait dû se dire, let's choose 2 countries in the next 5 years avec, ensemble, avec le public, public money, c'est-à-dire à travers MIC, et puis à travers EDB, parce qu'il n'y a pas bien beaucoup moins d'efforts spearhead par EDB. Et nous trouvons qu'en fait, moi, j'ai l'impression, EDB a overloaded l'eau comme les affaires au PFA. Et finalement, nous pas fait aucun bien. On met à the end of the day. Là-dedans, moi, si vous préférez l'approche ciblée, choisir des pays et nous faire du bien. Bon. Comment t'allais là, t'as une cause Tanzanie. Moi, dis-toi, disons, man feedback qui m'a gagné avec quelques opérateurs mauriciens qui est dans man small manufacturing base dans Tanzanie ou dans East Africa. Pendant sa lockdown là, ben, à Maurice, ben, cette opération dans Tanzanie ou dans Kenya, ils sauvent de l'affaire à Maurice parce qu'ils ont un marché domestique là-bas, qui est bien plus grand que Maurice quand même, nous paye cause un marché. Au Kenya, 50 millions, Tanzanie, 50 millions, l'Ouganda, 45 millions, qui fait quand même 150 millions d'habitants, ok? Et qui maintenant peut dire, en, the Peresi supply dans notre marché domestique, qui nous pénètre le marché. Parce que nous, marché domestique très, très petit, nous, hein, 1.2 millions d'habitants dans Maurice, ok? Et qui, en, the Peresi supply, continue tout le marché. Et deuxièmement, the Peresi gain forex. Parce qu'ils ont pas pécard export vers l'Europe ou wherever else. The Peresi gain forex depuis sa main de pays, là. Alors, ce qui veut dire qui, nous, l'approche, c'est bien ciblé, dire, mais, nous choisir parmi nos man opérateurs mauriciens, qui s'en a un certain savoir-faire, et là, pas peut dire, à l'heure de faire rocket science stuff, là, hein, peut dire, man, affaires basiques, hein. Par exemple, il est capable, l'usine qui fait Mine Apollo, ou l'usine qui fait dentifrice, etc., ok. Qui, nous, silex sa man là, et nous amène zot dans un ou des pays, nous accompagne zot, nous help zot, build zot business together. C'est-à-dire avec un partnership de l'État, quand l'État capable de mettre une partie de equity, ou soit de mettre une partie de dette aussi, pour faire un autre setup, sa man, compagnie, pour setup sa man manufacturing base. Bon. Mon pensée pour moi, c'est une stratégie un peu plus simple, plus concrète,
qu'ils ont dit puis elles mettent l'argent dans mon SIZ, parce qu'il n'y a pas bien mon SIZ là, nous pécose mon gros projet d'infrastructure, qui nous compte très bien, man, le dynamisme en Afrique peut changer, parce qu'il y a un man chinois, qui peut mettre énormément d'argent dans mon SIZ. Nous trouvons par exemple le partnership Chine-Éthiopie, qui peut marcher incroyablement bien, depuis plusieurs années. Et nous peut trouver aussi, man, les autres partenariats qui peut faire entre mon investissement américain ou allemand, comme par exemple allemand avec le Ghana ou américain avec même pays en Afrique francophone comme le Sénégal, etc. Pour moi, m'ont pas trop convaincu par mon SIZ, parce qu'il y a encore une coûte living man all paradigm. Moi, tu peux préférer qu'ils nous disent, nous identifier 25 compagnies depuis Maurice, et les capables big et aussi medium size companies dans Maurice, et nous raccompagner man là dans deux pays en Afrique, et me dire, nous pas besoin loin, parce que si nous guettons l'Afrique de l'Est, East Africa, Vin Southern Africa, et il y a au moins 5-6 pays qui nous capables choisir, qui des pays qui nous capables vin the best out, instead of trying to do too many countries at the same time, et qui éventuellement, après 10 ans, nous trouver ne pas faire rien, et nous discuter. Okay. Et m'espérer qu'il maintenant, à travers sa financement de MIC, maintenant capable d'adopter une approche ciblée, et qui fait à sa partenariat l'accompagnement financier avec sa man opérateur mauricien dans sa man pays là. Et moi, m'a convaincu que le potentiel africain est là, il a un marché bien plus grand, et qui nous besoin faire man affaires un peu basiques pour nous capables de pénétrer sa man marché là. Mais Kevin, bon, très très souvent en Afrique, tu zènes beaucoup compagnie mauricien dans les différents pays? Non, malheureusement, non. Écoute, c'est 20 ans, moi, en Afrique. Bon, d'abord, je zoine man mauricien, c'est sûr, et là, man mauricien un peu dans différents pays, mais il n'est pas en masse critique, c'est-à-dire qu'il fait 20 ans, nous me causer, par exemple, man gros conglomérat, d'abord, nous trouvons très peu une récit fin de l'aventure africaine. Après, quand nous venons de middle-sized companies, qui quand man propriétaire, c'est man individu, qui peut-être créent une autre société dans 30 ans ou 40 ans, etc. Il y en a très peu qui installent autres dans un ou plusieurs pays. Bon. Ça veut pas dire qu'il pas existé, hein. Et non, qu'il existait, hein. Mais en Tanzanie, moi, man mauricien qui fait dentifrice, moi, qu'on a un autre groupe, dans Kenya aussi, qui dans manufacturing, dans un peu dans light engineering et tout. Bon. Mais pour moi, pourquoi nous besoin d'une approche ciblée, c'est-à-dire nous dire, et pourtant c'est pas compliqué ça, Dave. C'est que comment dire l'approche ciblée, c'est que nous avons suffisamment d'informations aujourd'hui, nous avons suffisamment d'immuns qui travaillent dans l'Afrique, Ramaem qui travaille dans l'Afrique, qui est at one point in time, était même chair de board, pourquoi EDB, Rwanda Development Bank Board, etc. au Rwanda. Mais aussi, si nous mettons Saman Dimoun là autour de la table, ben, il prend longtemps, il prend un jour pour venir avec un action plan un peu avec plus concret. C'est ça qui manque. C'est-à-dire, we need to move from theoretical pour venir avec practical stuff concret. Okay. Merci, Kevin. Vraiment, tu as l'opinion de l'expo en Afrique? Bon, je suis de Saman Dimoun avec Amélie Daga, Afsa Ibrahim et Cédric Spéville, nous avons créé le Mauritius Africa Business Club. Et nous avons créé un document que nous avons soumis au gouvernement. Quand nous avons dit qu'effectivement, nous ne sommes pas capables de faire une mitraillette, nous pouvons faire un shotgun approach. Et en termes géographiques, nous avons un petit guide plus ambitieux que Kevin, mais je suis d'accord avec Kevin qui nous avons ciblé. Mais on ne connaît pas, nous avons fait des missions, nous avons ciblé Eastern Africa et Southern Africa. And then you choose. Quand on a plus de sens de compétition, c'est un pays qui est difficile pour compétition. L'Afrique du Sud est difficile pour nous pour compétition. Mm-hmm. Nous choisissons ce même pays-là. Et nous avons aussi choisir, cibler un secteur que nous avons intervenir. Et dans deux types de secteurs que nous avons intervenir, un, c'est ça qui nous connaît, qui nous développe expertise, qui nous développe compétences au fil des années. Après, il y a une seconde qui est stratégique, si on vit, je dirais, un long-term player dans l'Afrique. Et j'ai identifié tout ça. Et
Quand tu Kevin se vient terme, lui se vient le terme, je suis un identifié man champion. Et nous êtes jeunes. Vous n'êtes pas fait ça. Mais, moi, je suppose, il est en fonction aussi qui est le ministre des Finances et qui sont l'expérience et qui sont anticipation, qui sont expectations de l'Afrique. Donc, par exemple, ça en est là. Avec nous. Ça veut nous dire de l'Afrique, really. Really, par rapport à ce que nous devons faire. Mais il y a grand-chose qui nous dit de l'Afrique. À part qu'il nous dit qu'il nous faut investir 10 milliards dans la Special Economic Zone. Alors, nous avons évidemment une stratégie africaine, nous avons ciblé en termes de région. Moi, on parle beaucoup plus de région. À part nous, Global Business, hein. Nous, Global Business, c'est quand même tout pays. Parce qu'il existe une plateforme qui sert pour investir. It can be Ghana, it can be Nigeria. Mais because export of goods and services, cross-border investment, nous bizarre dans une région. Une autre raison qui fait nous dans la région, c'est quand il y a un problème politique, de mon policy makers capable de résoudre un problème là, parce qu'il nous donne une regional economic communities là ici. Qui lit comme ça, qui lit ça. Et après, les affaires qui, depuis longtemps, nous doivent dire ça, nous bizarre professionnalise un chiguit, nous bizarre fonctionnaire dans l'ambassade. C'est-à-dire qu'il va nous dire, on a besoin de comprendre l'économie, besoin de comprendre la finance, besoin de comprendre le manufacturing, mais non pas nous faire un petit peu de classique. Ah, nous sommes à Singapour, quand on demande l'ambassade de Singapour, c'est tout cause business, c'est tout cause l'économie, c'est tout cause finance qu'il y a pour faire. Et nous, donc, on a l'ancien modèle, d'accord, que nous façon qui nous guette la diplomatie, pas tellement une diplomatie économique, malgré le fait que le papier nous dit qu'il veut faire diplomatie économique, jusqu'à quand même un problème. Là, par exemple, le Premier ministre nous a cause avec M. Michel de l'Union européenne, mais si nous tenons Ban Ki-moon à Bruxelles ou bien en Europe qui suivent ce dossier-là, nous, si vous voulez connaître qui va le problème, c'est qu'il faut anticiper ça en termes market intelligence, en termes business intelligence pour le résoudre. Une question hein, par rapport à... Monette rajoute une affaire. Oui. Non, vas-y, Rama. Nous avons un choix qui travaille dans l'Afrique. Pour la bonne et simple raison, pour moi, l'Afrique, c'est une extension de nos marchés, et nos marchés sont tellement petits. Nous n'avons pas à compter les autres pays. Nous n'avons pas à compter en Inde, nous n'avons pas à compter à part qui va dans le textile. Nous n'avons pas à compter les autres places. Par contre, dans l'Afrique, nous avons encore une possibilité pour nous être capables de gagner une win-win collaboration. Mais nous devons choisir. Nous devons choisir un champion, nous devons choisir un secteur, nous devons choisir un pays, et nous devons choisir qui va un instrument nous vous servir pour nous être capables d'accompagner ce monde-là. Merci pour ton point. Kevin, tu veux dire quelque chose? Non, mais tu peux juste rajouter, c'est-à-dire qu'il dans sa budget-là, si nous guette le ministre, bien sûr, il mentionne, premier affaire qu'il mentionnait sur l'Afrique, c'est que Africa is our future. Après ça, il est suivi par 3 bullet points, qui ne fait même pas 40 mots. OK? C'est normal. Alors, si nous vraiment, non, mais c'est là que nous besoin de dire, OK, si vraiment nous believe Africa is our future, nous besoin de dire, OK, est-ce qu'il y a un ministre, par exemple, qui focus sur l'Afrique? Est-ce qu'à l'époque, je me rappelle, je ne connais pas encore 10 ans de cela, il y a un roving ambassadors, OK, whatever it is. Est-ce qu'il nous a revisite ce concept-là, par exemple, qui ramène nous du business à Maurice? Est-ce qu'il nous a peut-être créé une autre entité, qui peut-être pas EDB, qui se mission, c'est Tenaman Dimoun qui est spécialisé en Afrique, qui est un rapporteur d'affaires, qui fait la connexion entre l'Afrique et Maurice, le secteur privé et aussi le secteur public, MIC ou le secteur privé, man PME ou man corporate, etc. Ou aussi, par exemple, il y a les autres formules, par exemple, qui fait nous pas privatiser sa solution-là, c'est-à-dire, quand nous donne man firme de investment banker ou man à la PWC, BDO, whatever, quand nous fait un banna, ramène d'affaires, parce qu'il n'y a pas bien, man PWC, KPMG, etc. Vous êtes un réseau en Afrique, vous êtes implanté. Vous êtes connu qui bon, qui pas bon, qui fait bizarre à Zambie, qui fait bizarre au Kenya, qui besoin faire dans l'Éthiopie, qui pas besoin faire, etc. Qui fait, par exemple, pas capable de travailler avec Banna pour dire, ben, nous trouvons une solution. Moi, c'est que, mon pensée, c'est que le modèle qui nous est né depuis des années, il n'y a pas de marché au niveau de nous, l'African Strategy. Et qui, c'est le moment maintenant, peut-être, le fait qu'ils permettent des milliards de roupies à travers MIC. Le moment aussi, parce qu'il y en a certains entrepreneurs dans Maurice, ils réalisaient qu'avec sa lockdown là, qu'ils sont vulnérables, hein, parce qu'ils ont l'opération fermée, qu'ils sont pas capables de survivre dans le domestic market.
qui sont bizarres à aller vers l'exportation, soit ils sont bizarres, soit exposent des produits et services, ou soit à set-up man base dans man différents pays. Bon, pensez-moi, nous capables, il y avait une façon que nous capables de travailler mieux et être un peu plus précis. Et mon revient dans ça, Dave, c'est que today, nous ne sommes pas capables de theoretical, we need to be practical. Et pour ça, nous avons besoin de man dimoun qui pratique. Par exemple, bon, tu as là Rama, il mentionne par exemple Afza qui connaît l'Afrique, Rama qui connaît l'Afrique, Amédée Daga qui connaît l'Afrique, et encore les autres Mauriciens qui connaît l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas Manela qui, par exemple, qui vient dire, mais drive ça pour nous, par exemple, OK? Rather than keeping it with EDB. Je trouve EDB, pour moi, il remplit avec ma fonction, et finalement, EDB is becoming an elephant. Il n'est pas capable d'achever ce man objectif, eventually. Donc, souvent, mon dire camarade EDB, hein, c'est plus une real estate agency qu'autre chose, parce qu'ils ont fait, ce rôle, c'est faire essentiellement FDI, mais la partie expo, c'est pas réellement occupé. Un des workshops par là, quand ils remplacent Enterprise Mauritius. Donc, vous trouvez dans Business in Join Us, Mervyn et Chandish, qui étudiants. Chandish étudiant dans le secteur ICT et Mervyn Couteau en entrepreneuriat. Chandish et Mervyn, vous êtes présents, Zod. Bonsoir. Donc, je tiens avec nous, Thomas Tanen, Kevin Thiruven Gadem, et nos camarades Jayen Viraven, qui nous aussi bien roulé en Afrique. Donc, Chandish et Mervyn, faites ce point et cette appréciation du budget, si je tiens à quitte question. Bien sûr, bien sûr. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Ramastanen. Bonsoir, M. Kevin Tiroumangadem. Bonsoir, M. Giant. Et bonsoir, Dave. Merci beaucoup, tout d'abord, pour l'invitation. Et je vais faire des trois points bien vite, bien bref, sur le budget. Parce que pour moi, comme les élèves de l'université, je ne pas pour la même perspective que les personnes qui peuvent assister ici, qui peut-être dans une plus grosse perspicacité sur un budget, mais comment les élèves, comment un futur employé, un homme qui pourra travailler, maintenant quelques points qui me sont envie. Premièrement, quand nous guettons la situation, enfin, après le COVID-19, si nous passons en octobre, nous sommes en octobre 2019, ramène peut-être nous sommes capables de prédire qu'il nous pourrons faire face à un tel virus. Et ce virus nous réalise beaucoup d'affaires. Entre autres, c'est que nous vivons beaucoup d'un système qui est réactif dans la place proactif. Qui m'a bien dit, voilà, ce système-là, ils ont dit, il force nous pour bouger towards, peut-être ben concept comme work from home. Il défie le système d'éducation, il défie le système économique, il défie beaucoup d'un système qui tient en place. Alors, pour moi, comme une guette budget, ce qui me suspecte vraiment, c'est, bon, peut-être, comme on a dit, ils ont dit, rescue to recovery. C'est rescue of the system, recovery of the system, mais aussi qui manque une solution qui nous mettre en place finalement après autant d'années pour vraiment nous préserver nous l'économie, pour vraiment peut-être strengthen nous l'économie, contre n'importe qui lutte peut-être nous dire problème qui nous a fait face, pas nécessairement même COVID, une situation pareille comme COVID, il va nous faire. Alors, premièrement, comme vous dites, ban PME, ok, nous causons PME, si moi je prends l'exemple la Chine par exemple. La Chine, c'est aussi l'un des plus grands exportateurs. Et pour moi, je comprends comment les élèves IT, je comprends bien simple, je ne suis pas un expert en économie, mais je comprends que l'argent a besoin de rentrer dans le pays. Okay? D'une certaine façon, l'argent a besoin de rentrer et que nous, peut-être nous dépenses qui l'ont dans les autres pays, les besoins un peu plus moins, pour nous vraiment faire, en gros, un profit, entre guillemets. Okay? Alors, si nous sommes vraiment faire ça, peut-être nous faisons encourager une PME pour exporter. Alors, nous venons un peu sur le terrain, entre guillemets, quand une PME dit qu'elle exporte des affaires. Nous prenons un exemple bien simple. Nous avons un camarade Rodrigue, par exemple, qui veut exporter un chapeau d'appareil. Nous prenons un système, un exemple bien down to earth. Okay? On veut exporter un chapeau d'appareil, on veut envoyer ça à la UK. Okay? Ou bien on veut envoyer ça à la Chine. Les coûts les plus en termes de shipping, quand les prendre des affaires depuis la Chine, ou bien les prendre des affaires depuis notre pays, ce shipping coûte le moins que ce shipping qu'il devait payer pour lui avoir sa même affaire dans le pays. Ce qui fait parce que nous payons vraiment beaucoup d'incentives qui sont capables
décrit sa shipping cost là pour qu'il dise un PME est capable pour at least qu'elle peut commencer qu'elle commence à exporter. OK, ça elle nous a fait PME là qu'elle peut exporter la plupart des pays nous servent pas un système comme peut-être Google Pay ou PayPal. Quand vous servez un système comme ça, ça veut dire que vous gagnez l'argent en TM, vous gagnez l'argent digital d'une certaine façon, on dit, qui est capable juste ou pas capable de bouger en liquidité vraiment facilement, ou capable de bouger dans le code de crédit. Nous, quand une PME, il peut vendre un chapeau, nous avons 50 roupies. OK? Il vend 6 chapeaux, il gagne 300 roupies. Pour bouger ou l'argent, depuis peut-être un accord comme Google Pay pour avoir un code de crédit de PayPal, il coûte 5 dollars. Les coûts sont de l'or qui déduit depuis là-dedans. Mais ça PME là, qui lui fait finalement au son profit? Est-ce qu'il sait ça bonnes affaires là? Le gouvernement va supposer vraiment rentrer dans les détails et commence à guetter comment pour capable qui bonnes affaires, qui bonnes affaires, qui barrières, qui devait tirer vraiment pour capable encourager ça maintenant. Ok? Une autre chose qui banane que c'est une cause côté transportation. Ok? Pour prendre le métro express de Rosila que puis pour mettre, qui une cause beaucoup de modernisation bus et nous avons un système de transport. Dave, laisse-moi dire, moi habite à Maïbou, Mervin habite à Maïbou, nous suivons le cours à l'Université de Maurice à Réduit. Tous les jours, si maintenant, pour rentrer à l'Université de Maurice à 8h30, moi, vous êtes prendre 6h30. C'est 2h de temps voyage, aller le matin, 2h de temps voyage, retour. À l'époque, je me suis fait un internship dans une compagnie à Eben, c'était pareil, 4h de temps voyage qui me passe à 6h dans un bus. OK? Et quand nous cause productivité, je vous dis, comme on peut rentrer dans la case, comme on est rentré, je peux faire l'énergie, je peux faire rien, je peux l'énergie, je peux faire l'étang, je peux faire quelque chose. Alors, ça m'a fait là, il arrive un lien pour nous vraiment ne pas juste dire qu'il nous faut dresser pour moderniser le système de transport, mais pour venir avec une solution concrète. Comme ben, une cause, ce qui m'apprécie, c'est une cause des congestions dans la route, mais aussi quand nous avons dit comment les variétés, nous trouvons qu'on a fait bien plus que ça, nous avons modernisé le système de transport dans le sens qui, pour un dimanche dans l'industrie IT, pour un GPS, pour un système que nous capable vraiment faire une smart way of transportation qui, que un dimanche, il peut capable plan ce voyage, le PKA plan ce trip from home and back to work, et quand il rentre la case, il y a un certain temps qu'il est capable d'investir dans sa famille, il est capable d'investir dans lui-même. Troisième chose qui me peut soulever, c'est PDN Book range 12 000 la case. D'accord, c'est très bien qu'arrivé à une certaine lieu, pour moi, à la base, un dimanche, il faisait trois affaires. Il faisait manger, il faisait un poil sur la tête avec les business, pleurer. OK? Nous payons 12 000 la case, nous payons nous pour, d'une façon, nous coûtons 120 000 qui payent dans la case, nous coûtons 20 000 la case, vous êtes capable de rester. Mais en gros, qui nous peut faire pour nous changer ce qu'ils appellent the poverty culture à Maurice? Qui nous peut faire vraiment pour apporter vraiment 120 000 dans la case, un toile sur la tête, pour faire vraiment bouger plus des mondes sur la vie? Parce que nous comprenons bien, quand 120 000 lits sur le type de ça, ok, nous mettons de sa ligne de pauvreté, la ligne monte là-haut, nous appelons un lower middle class, par exemple, cela la vie, il reste aussi difficile. C'est ça qui nous faisait réaliser. Pour moi, comme un jeune qui est sorti d'un middle class family, et quand nous étions à Maurice, comme des gens qui sont dans le lower middle class, dans le middle class, c'est la vie aussi difficile. C'est pour ça qu'ils ont dit, prendre un simple exemple, par exemple, comment nous prenons un bus, nous voyager, combien de gens voyagent pour un bus à Maurice qui n'a pas le travail, qui souffre de ce problème-là. C'est ça, ma affaire là, qui vraiment nous faisait capable de tacler. Parce qu'il y a un point d'affaire, une cause digitale, une cause IT, des trois places dans le budget, beaucoup de gens une cause IT. Laisse-moi dire que IT, ce n'est pas un bâton magique. OK, IT, ce n'est pas une affaire qui n'est qu'une cause, nous dire IT, OK, alors IT ne sort plus de problème. Vraiment, IT est un potentiel extraordinaire, je veux dire, Maurice, quand une cause smart agriculture, quand une cause IT, IT, c'est vrai, expression, c'est les moyens pour l'amener rendre tout la sauce. Et vraiment, il fait quelque chose d'une bataille. Dave, nous avons la discussion à IT, par exemple, dans le tourisme, dans l'agriculture, dans combien de secteurs que tu es capable d'improuver. Mais mon papa trouve vraiment, aujourd'hui, sa willingness pour vraiment embrace IT. Le digital, oui, nous peut faire, il peut être indien pour faire un website pour Landscope, que du monde capable de consulter comment la terre. Et non, peut-être ça nous a fait que nous sommes capables d'apprécier, mais nous sommes capables de faire bien, bien, bien plus que ça, Dave. Et moi, je pensais que nous vraiment c'est Mandimoun qui l'a au terrain pareil que moi je tire au vingt à plusieurs points dire c'est Mandimoun qui connaît le topic, c'est Mandimoun qui connaît le domaine qui est capable de nous conseiller le comment nous applique ça dans le système qui nous fait aussi là. Alors en gros c'est ça pour moi je expecte que à un certain point de vue oui monsieur Timon. Non, on va dire si tu connais mon écoute toi causer pendant 5 minutes ou un peu plus. I get the positive energy. Mogaiman te peut faire une analyse du concret
Et là, quand tu peux causer, mon pédia, mon préfet, écoute-toi causer, qui par exemple, moi, écoute, certains du monde dans le Parlement causer, qu'ils n'ont pas même connu qu'ils ont pu causer. On va dire, c'est une anecdote, mais tout ce qui te dit là, hein, make total sense. Ok, tu me causes, par exemple, SMEs, PME, informal sector. Ok. En Chine, notre stratégie en ce moment, post-Covid, parce qu'ils ont sorti depuis Covid, fait à peu près 2 mois, notre pays met l'emphase sur stimulus package, law informal et PME, qui fait parce qu'ils ont trouvé qu'informal, it brings business, brings aussi job, et aussi amène job dans la proximité, dans ma province, au lieu qu'ils existent dans ma cité, ou ma city, que tu tiens dans ma gros manufacturing base. Et là, ça peut mettre plus cash towards informal sector, et en même temps, permet une technologie dans l'informal sector. Par exemple, un simple exemple, hein. Il est capable d'un food street vendor, qui t'habitait à manger dans quoi arrive. PFLI maintenant avec technologie, PFLI maintenant vient l'équivalent de Uber Eats, qui sent ce modèle drastique. C'est ça pour moi quand on appelle the new paradigm, the new normal. Ça, c'est un exemple. Au Singapour, dans ce budget, si j'ai l'occasion de download ce budget de 2020, je peux trouver qui, plus qui, un tiers de ce budget, de ce speech, axé sur la formation des gens, l'éducation, upskilling, reskilling, retooling, etc. Et aussi sur la technologie. Comment te dire, Taïda? C'est que la technologie, il commence à prendre l'amour, rentre dans tout la sauce. C'est un peu ça qui te dit, ok? Ils ont dit, moi, quoi, moi, qui, au niveau de la technologie, et moi, pensez, moi, il y a une déconnexion qui fait parce qu'il, moi, quoi, man jeune, qui comprend ça? Parce que you are born in technology, vous êtes servi technologie, pour vous, c'est normal. Et qui, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas comprendre sa évolution de technologie, ça a un bénéfice qui lui permet de nous, et beaucoup peuvent confondre entre l'informatisation qui nous connaît dans les années 1990-2000, quand nous avons un computer, voilà, nous gagnons software, nous roulons, et la réalité de ce qui digital peut faire. Par exemple, digital, aujourd'hui, nous avons déjà causé ça avant, il est capable d'avoir un amazing tool pour empower man PME au niveau de l'agriculture. Nous connaît à travers Maurice, nous gagnons des moules plantes, pommes d'amour, pommes de terre, etc. Technologie capable de servir to create a market. Bon, on a un marché, hein, dans Quatre-Bonnes, dans Vaqua, dans Rivière du Rempart, man all market. Que nous capable de un online market tous les jours. Ça, c'est un simple exemple, hein. Technologie capable de servir dans l'autre, man les autres affaires, dans man les autres secteurs. Au niveau informel secteur. Et nous trouver qui peut arriver à travers, en Asie, nous trouver aussi, by the way, qui peut arriver dans certains pays, l'Afrique, hein, qui, ça finit, commence, servir technologie pour amener l'efficience, mais aussi pour créer un nouveau business model. Après, tu as une cause d'autres affaires qui est reliée en technologie, tu as une cause transport. Tu as dit, tu ne restes pas à bout, tu as perdu 3 heures de temps dans le transport. Moi, pas qu'un comprend qui fait aujourd'hui, nous besoin retourne, moi pas dire qu'il nous pas besoin retourne complètement, mais qui fait nous besoin retourne dans nos old paradigm before lockdown, qui fait nous pas mettre un gros budget pour dire, mais quand on m'aille bout, t'as pas besoin voyager, vivre l'université tous les jours. T'as besoin d'un système, t'as besoin énorme, toi t'as besoin d'un high power débit internet que toi, t'as besoin d'infrastructure que toi, que t'as pas besoin de perdre 3 heures de temps pour aller à l'université, je ne sais pas, une ébène ou réduit ou whatever. Et c'est pour moi, c'est pour ça qu'il m'a pensé, moi, qu'il nous a une opportunité devant nous to bring technology, to really get on that new norm, that new world. Et qu'il nous pas get this, un affaire qui nous peut informatise un département de un gouvernement ou un département de une compagnie dans le secteur privé. Et moi, j'espérais qu'il manjeune take sa leadership là. Et m'a pensé, moi, qui, si je take leadership au niveau technologie, and you will, nous pour democratize private sector, comme on, beaucoup une cause ça, hein, depuis 20 ans. Et moi, quand on pensait, moi, technologie pour democratize le private sector, même au niveau du PME. Et après, deuxièmement, mon pensée, c'est que si je poitane gouvernement, etc., it's not going to happen. Ça veut dire, moi, quoi, je peux bien prendre le destin en main. C'est que the good news, c'est que pendant ces 2 mois-là, 3 mois qui lockdown, on trouve beaucoup d'initiatives de man jeune et qui me croient, moi, beaucoup, all companies will be surprised what will come out of this post-COVID de man jeune qui peut drive au niveau agri-tech, au niveau health-tech. Nous trouvons une plateforme télémédecine qui me lançait, par exemple. Okay? Même au niveau edu-tech, qui peut arriver au niveau l'éducation. Nous pouvons trouver, par exemple, maintenant, on peut trouver man jeune professeur qui crée un réseau, qui crée une appli
que je puis enseigne mes enfants, pas seulement dans Maurice, by the way. Je puis enseigne mes enfants à travers le monde, parce qu'ils bon, on a quand même l'avantage bilingue. Puis gagne même mes enfants depuis Canada, la Chine, qui peut tune in à travers une appli pour mon professeur dans Maurice. Alors, me pensez moi, mon youngster, bizarre drive ça change là. Merci Kevin. Mervyn Couteau, me laisse-toi faire ton point, expliquer un petit peu ce que tu pensais sur le budget. Et tu as fini l'université cette année-là? Dans quelques mois, nous sommes capables de dire, mais avec la pandémie, ça a été difficile. Okay. Et là, comme nous disons, nous avons un normal pour vraiment connaître est-ce qu'il, comment Mike, on dit, un petit dit, est-ce qu'il nous fait une graduation virtuelle ou bien nous pouvons faire une physical graduation. Ça, okay. Laisse-toi expliquer. Et Jayen, tu prends la parole juste après Mervyn. Vas-y, Mervyn. Alors, bonsoir à tout mon intervenant. D'abord, merci à Smart Citizen et à Mr. Dave pour l'invitation. Je pensais à l'heure qu'il est, à Maurice, qui peut vivre un événement qui intrigue toute la population. Aujourd'hui, nous venons de dire qu'avec la pandémie, nous finissons à apprendre mal le son. Ma leçon de vie. D'ailleurs, quand nous guettons le budget qui finit présenté par le gouvernement, comme grand titre, nous pose l'économie de la vie. C'est un grand mot, l'économie de la vie. Nous finit trop mal mesure qui le ministre de Finances finit mettre de l'avant, nous pose mesure fiscale, nous pose adaptation pour le secteur du tourisme, rebranding, etc. Mais c'est que la population bien connaît qui n'ont pas mené la guerre depuis tant des années contre le système actuel à Maurice. Pour moi, en résumé, comme au guet budget, comme au guet le gouvernement, me résumer en trois grands titres. La politique derrière le budget, l'approche derrière le budget et l'impact. La politique, pourquoi la politique qui est derrière le budget? Nous besoin de dire que ça fait quelques mois qui nous finissons vivre les élections générales, qui sont très mouvementées, qui finissent arriver à Maurice. Nous finissons trouver plusieurs polémiques qui finissent lever avec un nouveau régime qui finit à la tête du pays. Pour catégorique pour dire que voilà aujourd'hui la jeunesse mauricienne finit l'espoir comme on dire qui voilà pour une jeune qui pourrait représenter nous au Parlement mais aujourd'hui ne pas trouve vraiment sa man jeune là qui est vraiment qui est pour la jeunesse mauricienne quand nous guette le budget en simplement quelques lignes la jeunesse finit expliquée pour moi on ne pas trouve vraiment l'inclusion de man jeune dans un budget et d'ailleurs ça fait un moment vraiment inquiet, comme on trouve il y a quelques semaines de cela dans la préparation du budget, le ministère de la Jeunesse, pas même quelques jours avant le budget, lance un communiqué pour demander à la jeunesse, la population mauricienne, une proposition pour changer un peu ma politique qui se met en place pour promouvoir la jeunesse. C'est bien, ils ont dit que moi, tandis que je peux dire, à cause de la technologie, etc., l'innovation. Mais moi, tout le temps, qu'avant nous innover, nous faisons réparer. Ils ont dit, nous trouvent, la société mauricienne peut dégringoler. La famille, c'est un pilier très important qui, me pensait, finit exclu du budget. Le budget, quand nous guettons, ben, différents tableaux qui finissent, pour ben, économistes, ben, anciens membres du gouvernement, nous trouvons que le budget il y a une seule perspective seulement pour faire, comment on dit, pour faire cette politique du gouvernement. Mais nous ne trouvons pas vraiment quelque chose de concret qui concerne tout à chacun. Quand nous cause un chauffeur taxi, un mort central pourri, un enfant qui a STLA appérant dans le système éducatif. Et d'ailleurs, beaucoup viennent là, quand nous cause le système éducatif. Nous devons comprendre les affaires qui, avec la pandémie, l'outil en trois phrases. Le pre-COVID, le COVID et le post-COVID. Actuellement, la population mauricienne, me pensait, avec beaucoup de solidarité, d'unité, nous finissons vivre une grande bataille, nous finissons vivre la pandémie avec nos frontliners qui sont là. Et aussi, les jeunes, me pensait, ils font preuve de compréhension pendant sa période de pandémie du COVID-19, que nous finissons adapter à la nature de sa pandémie-là. Par exemple, nous finissons sortis entre les quatre murs d'une classe pour retrouver nous dans nous la case devant nous la top pour suivre en online lectures, etc. Et pour moi, ce n'est pas ça l'innovation. Aujourd'hui, quand nous guettons le budget, nous ne trouvons pas un plan d'accompagnement pour sa bande jeune. Nous ne pouvons pas dire que nous payons des bourses des millions de roupies, des billions de roupies pour investir dans l'éducation. Mais nous ne pouvons pas vraiment sa bande modalité
l'accompagnement que le gouvernement peut donner aux profs et aux enseignants. Je vous dis qu'on a dit radio le matin, il y a un débat, un syndicat de l'éducation qui peut protester pour un professeur qui n'a pas payé vraiment de revenus, qui n'a pas payé vraiment le support du gouvernement. Ça inquiète nous en tant que jeunes, parce que dans quelques semaines, quand on finit le semestre, nous pourrons retrouver dans le marché du travail. Peut-être que certains parmi nous nous vous intéresser avec Pessora, nous avons envie de rentrer dans le système éducatif. Mais il est vraiment décourageant, Zodi, quand nous écoute certaines mesures qui finissent prendre, qui vraiment omettent ça l'aspect social. Là. Comme on dit, c'est l'approche holistique qui nous manquait par rapport au budget. Et pour moi aussi, je pense que le gouvernement, Tibizin, ne fait pas le budget dans un contexte réaliste. Parce que quand nous avons plusieurs conducteurs, des rumeurs, des déclarations, comme on dit, des économistes, des analyses qui finissent faites par rapport au budget, nous avons plus un nom qui peut donner à ce budget-là. Et on peut dire la Casa de Papel, et on peut dire un budget co-Covid. Mais je pense que, en tant qu'une population mauricienne, nous n'avons pas une population bête. Nous arrivons en 2020, nous trouvons, nous finissons vivre l'histoire, nous finissons vivre l'histoire de la nation mauricienne, nous finissons vivre un cyclone, nous finissons vivre une tempête, même une calamité naturelle. Et je vous dis, comme on dit, nous sommes partis préparés pour vivre la pandémie du COVID-19. Mais nous finissons vivre là, nous finissons vivre là, as one people, as one nation. Et moi, je pense, peut-être pour conclure là, nous tout le temps promouvoir nous tout le temps promouvoir sa culture mauricienne qui nous est dans l'unité, notre diversité, etc. Je dis quand nous parlons de l'île Maurice, il y en a quatre couleurs. Mais qui fait quand nous prenons une décision, nous besoin omettre certaines couleurs. Pourquoi on peut dire ça? Parce que quand nous avons un investissement qui le gouvernement peut faire, c'est bien, nous peut dire qu'il nous besoin protéger l'environnement, qui cause le vert, le green economy. Mais qu'arrive le blue economy? Depuis des années, nous perdons qui est dans un certain développement par rapport à nous l'océan. Et d'ailleurs, ça fait moi guerrier parce que durant COVID-19, nous faisons une déclaration pour le TV pour dire nous qui nous faisons azote, nous map de l'île Maurice, fin azote chagos. Mais ça fait moi guerrier parce que ça vaut là, moi, peut-être toute la population fin étonnée, mais Botipertan, peut-être, ban mesure bleue qui le gouvernement vraiment il prend en considération. Comme on dit, nous parvions les quatre couleurs. Alors, je me pensais dans toutes les décisions, dans toutes les actions et même nos réflexions, les visa quatre couleurs. Voilà un peu ça. Merci, Mervyn. Mais une question pour toi. Donc, tu peux aller au marché du travail bientôt et tu peux faire une étude d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il te peut venir un jeune entrepreneur? Tu as fini de prendre tes décisions par rapport à ça? Définitivement, un jeune entrepreneur. Tu as choisi être au secteur? Et pas vraiment, mais toujours en préparation, parce que là même, comme tout à l'heure là, Mr. Kevin Findia et même Monsieur Ramasitanen Findia, un business plan, c'est une préparation pour le marché. Même le gouvernement, il fait un business plan avant les vignes de l'avant avec la police. Okay. Toujours dans sa phase de préparation du business plan. Merci, Mervyn. Ben, si tu as besoin d'un coup de main pour faire ton business plan, nos camarades Jayan Viraven, qui est là, qui est un consultant à Maurice et à l'international, il est longtemps aussi en Afrique du Sud. Jayan, vous passez au micro? Il y a beaucoup la lumière. Okay. Pour toi. Merci, Dave. Ouais. Merci, Dave. Et je remercie tout le monde pour ce débat-là. Et merci, Smart Citizen. Bon, effectivement, pour moi, c'est surtout cause le low financial services et les prospects de l'avenir, surtout les jeunes. Et moi, personnellement, je crois qu'il y a COVID-là, il y a même plus l'opportunité qui est une contrainte. Raison principale, parce que souvent dans n'importe quel pays au monde, si il y a une crise, il y a l'opportunité. Parce que nous prenons ça l'histoire n'importe quelle façon, toute crise, il y a une opportunité. Mais c'est même l'opportunité que nous avons dans Maurice là. Il y en a une opportunité interne qui existait aujourd'hui. Et nous avons l'opportunité aussi au niveau externe. Bon, maintenant Rama causé, maintenant Kevin causé. Il y a un tas de possibilités. Mais malheureusement, dans une situation que nous étions à Maurice, il y a un encadrement, premièrement. Et les Mauriciens, dans l'ensemble,
pénin de structure pour se développer sa culture de voir les opportunités. Parce que nous si moi-même, bon, 40 ans de cela, 20 ans de cela, maintenant, après, plus ou moins, la situation, il reste le même. Bon, Dave connaît bien, quand je suis au bassin, Rosil, je reste là, après, je reste un bon bout de temps dans le QFIP, et puis je reste dans le bassin, Rosil, et après, je quitte Boris aussi, je vais aller. Mais si nous avons juste la ville là, c'est incroyable le nombre d'opportunités qu'il y a dans la ville là. Mais malheureusement, nous ne sommes pas contre les économistes ou les autres qui prennent des décisions. Mais le gros souci, c'est que nous ne sommes pas nos pays dans ce structure en premier. Nous prenons des décisions, bon, nous pouvons exporter, nous pouvons être financial services, nous pouvons être le tourisme, mais rien en termes internes du pays. Moi personnellement, à aujourd'hui, existe au niveau interne, dans les 5 prochaines années, il y a à peu près 50 000 jobs. Peut-être que vous avez tout normalement, quand vous avez 50 000 jobs. Mais si vous dressez tout ce la ville, le village, là, vous faites vivre vraiment, si vous voulez ça dans tout le pays qui existe au monde, un pays développé, cette structure économique interne, il n'y a plus beaucoup de monde employé que cette structure exportation. Nous voyons ça en France, en Angleterre, dans beaucoup de pays, comme ça. Même aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est souvent de dire de ne pas viser personne, parce que les structures internes rapportent beaucoup plus en termes d'emploi. Vous avez un restaurant, vous avez ça, mais seulement, le souci qui nous est dans Maurice, c'est qu'il y a une PME, c'est je vous dis un new paradigm shift. Bon, je vous demandais, bon, Pénard Finance, gouvernement par études, mais aucun pays au monde, PME, gouvernement n'étude directement. Souvent, le gouvernement est tout le temps est the big one. En France, en Europe, en Asie, n'importe où tu allais, est tout le temps. Même en Afrique, c'est the big one. Jayen, sorry, je coupe toi un petit coup. Kevin, Tirouven Gadem, pour bien aller très bientôt, dans quelques minutes. Ramain, bien bouger pour un autre réunion. Donc, nous remercions Rama Sitanen pour sa présence aujourd'hui. Kevin, vous connaissez pour bien aller rapidement. Molesto un petit moment. If you want to add something. Malheureusement, moi, pour bien. Écoute, moi, pensez, moi, aujourd'hui, quand nous pouvons pêcher, et pourtant, on a l'opportunité pour faire rien, comme écoute Man John, comme on dit, là, ça Man John, là, par exemple, donne sa sens d'énergie. Nous pouvons faire une analyse approfondie de ce qui peut passer dans Maurice. Et aussi, je peux dire comment, par exemple, technologie, Bizet Drive, tout ce qui nous fait à Maurice. Parce qu'il nous peut trouver le monde, mais whether nous comptons ou pas comptons, le monde-là ne peut pas se passer. OK, Getzo dit, nous, à travers Zoom, nous peut faire ça. Et Nandi Moon peut faire télémédecine, etc. Alors, nous besoin dire comment nous pouvons faire pour mettre ressources. Par exemple, moi, tu préfères, moi, qui gouvernement, tu viens dire, le ministre finance dire, nous peut mettre ressources pour faire qui tout Nandi Moon, dans sa classe, est capable n'importe dans qui. L'endroit dans Maurice, il gagne high speed internet, comment gagner dans l'Europe, comme en Amérique, par exemple, qui a le construire béton dans Côte d'Or pour faire un technological park, qui, by the way, technological park is an old school qui existait il y a 20 ans, qui n'est plus en valeur. Dans le monde entier, ça peut montrer comment qui te vrai technological park, c'est que toi la case, c'est-à-dire que si tu n'as Internet côté toi, tu as infrastructure côté toi, tu es capable n'importe quoi de ça, tu n'as pas besoin d'un endroit spécifique pour être capable de drive l'économie, pour être capable de créer ton business, gérer ton business, provide education pour mon étudiant, etc. etc. quoi. Et pour moi, c'est là qu'il m'a pensé nous manque. Ça budget-là has missed the boat parce qu'il y a encore, il peut cause new normal, new world. Mais il peut continuer ça avec ma stratégie of the whole world and the whole normal. Et m'espérer que moi, man jeune, capable de prendre l'initiative, servir de technologie pour capable sans beaucoup d'affaires dans mon business model. Voilà. Merci, Kevin. Merci. Merci pour ta présence encore une fois. À bientôt. Jayen, me laisse continuer. Oui. Et effectivement, je suis 100% d'accord avec Kevin, parce que au niveau PME, même ce que tu demandes moi à faire, c'est au niveau financial services. Et
moi, je trouve au niveau financial services, une des lacunes qui nous est là à Maurice, c'est la technologie. Premièrement, nous faisons financial services qui date depuis MOBA en 1991, aujourd'hui, il arrive presque 30 ans. Il est plus ou moins pareil. Je vais donner un exemple assez simple que, comme Raman dit, même Kevin dit, au niveau de l'Afrique. Un affaire que nous avons fait, qui, si nous avons ça, on va prendre l'exemple, un pays hein, qui commence avec ça dans financial services, aujourd'hui, il est énorme, c'est l'Irlande. L'Irlande, tu commences une affaire qu'appelle Treasury. C'est-à-dire, il crée une structure avec ce connexion et quoi qu'il y a à cette époque-là, parce qu'il a vraiment Internet, il crée une structure qu'il fait parce qu'il est outside, même si dans l'Union européenne, il est outside de tout pays, il est petit, il est pauvre, etc. Il met une structure que tout ban multinational qui existait au monde, surtout aux États-Unis, Zunwin crée ce Treasury Department là-bas. Mm-hmm. Et Endman Treasury Department, raison que tu crées ça, c'est surtout la taxe. Okay? L'Irlande tient Endman Tax depuis aujourd'hui. Dans l'Europe, il y a Endman Tax le plus bas. Et qu'il y fait, il informe ce Mandimoun en premier. C'est un peu comme à Singapour, il fait au niveau financial services, parce que Londres, il est gros. Londres, il est gros. Pareil comme à Maurice, Sud Afrique, il est gros en financial services, parce qu'il n'est pas beaucoup à compétir au niveau des banques ou ça. Nous tient dans la tête, mais nous avons une structure pour l'Afrique, pas une multinationale dans l'Afrique, parce qu'il y a des dizaines, et dans une multinationale, même un conglomérat dans Maurice, pas qu'à accompli. Aux autres niveaux, comme on dit, en milliards de dollars, on ne peut pas dire en milliards de roupies, ici, milliards de roupies, là-bas, c'est qu'il nous a transféré ce service-là dans Maurice, avec une bonne connexion, parce qu'il y a une affaire qui est assez incroyable, nous avons un meilleur système bancaire qui nous a au monde. Je vais dire parce que, bon, on ne peut pas être le côté certain de la banque, mais quand même, nous, la banque, il y a assez, et comparativement même avec la France. Bon, Dave, tu connais la France, comment elle était. Même nous, la banque, les meilleurs qui en Europe. C'est un pays Europe. Parce qu'il y a un système bien vite au niveau de la banque. Fait un transfert, tu fais un transfert le matin, l'après-midi, du moulin fini gagné, de son compte ou vice-versa. OK? Nous, on a ça. Mais nous avons servi financial services pour des affaires productives. Et ça rapporte énormément. Parce que si nous pouvons recontinuer une financial services, une management company, nous créons une management company, on ne connaît pas combien, c'est pas 50, 80 à Maurice, ça veut dire que chaque compagnie, mon vie est taxe, c'est mon vie là, pour faire un administrative work. Et mon grand Maurice, il y a à peu près 10 000 ou 15 000 compagnies qui sont incorporées dans Maurice. Comme on veut parler d'une offshore company, mais pour venir faire un travail là. Ce n'est pas pour moi aussi. Parce que si nous avons un affaire, nous avons un niveau de l'éducation à ce niveau-là, professionnel, hein, nous avons 50 000 qui ont un CFA dans Maurice là. Nous avons 50 000 qui ont un ACCA. Quand il y a des gens qui chartent, comme il y a des gens qui ont à l'extérieur, qui ont fait un master dans Applied Finance, etc. Quand ce jeune-là vient, il y a un job qui est appelé aux autres. Je pense que vous dans Financial Services, pas besoin d'un BA pour travailler dans Financial Services, comment il était aujourd'hui. Nous avons un type de monde là, réforme aux autres, pour une bonne business school. C'est une des raisons Singapour une réussite. Avant même de commencer dans les années 90, il amène tout meilleur business school que lui. Il nous fait créer une branche que lui. Il prend depuis en Europe associé, London School of Economics, en Amérique, Stanford. New York, MIT, même Harvard, je donne une branche là-bas. C'est ça qui nous a amené. Même l'Université Maurice, c'est une université qui est affiliée avec la plus grande université. Là, ce qu'il nous fait, sa connaissance qu'il nous gagne à l'extérieur, là, il peut développer nos critères innovation, nos critères connaissance, nos critères pour développer nos business. Et c'est ça, Manzane, qui nous a. Nous avons déjà une capacité, mais c'est moi qui nous avons développé nos autres capacités. Et moi, je pense que un des affaires dans Financial Services, que le gouvernement est capable de faire, prend tous les. Qui, moi, tout le monde l'a vu, mon compte, ces affaires qu'appelle L'Oréal. Là. Si tu as pensé à Manzane, comment tu termines l'université, donne-nous une bande-bourse de travail. Pas bande-bourse, comment dire, fin de master et tout. C'est que Singapour nous fait dans les années 90. Il prend souvent du monde, il a une plus grande firme au monde, gouvernement payé, il a une firme pas plusieurs pays pendant un an, il a gagné sa knowledge là, parce que. L'expérience. Je donne l'exemple, et je retourne Maurice. Pour prendre l'exemple, c'est qu'il fait comment dire dans le système financier, nous avons une grande firme dans Maurice, nous avons JP Morgan, nous avons Morgan Stanley, nous avons Citibank, nous avons. Par contre, si tu vois l'Afrique du Sud, tout le monde connaît, tous ces firmes là existaient. Et à peu près 200 la banque en Afrique du Sud. Comment
comment se, ou pas tout non pas besoin de bâtiment pour trouver la banque comme HSBC ou MCB ici ça m'a la banque là existé ou on fait une transaction au JP Morgan ou ça consultant aussi à part de la Big Four aussi ou à l'Afrique du Sud ou à le même Nigeria ou à McKinsey ou à Boston ou à Bandung catégorie qui là-bas. Mais c'est ça qui nous faisait faire venir. Parce qu'il y a des affaires qui nous viennent. Maurice, quoi, ça qui nous apprend là, nous faisons tout. Nous faisons gagner une connaissance qui s'en dit là, faire les autres venir ici, les là nous faire développer financial services. Parce que financial services, moi, pas l'expérience que nous dans l'Afrique du Sud, financial services, dans les années qui viennent, s'il est bien structuré, s'il est dans toute bonne capacité, surtout l'innovation et surtout technologie. Technologie, ils ont dit qu'un nouvel grand de management company, à partir du service Excel, ils n'ont pas dit. D'autres calculs, ils ont dit, NAV, c'est tout un fund management. Nous, tout nous disons, nous avons un fund management dans Maurice. Mais qui fund management, nous avons? Tout un fund management, tous les grands matins, ou calculs sur NAV, ou à Bougla, à l'extérieur. Nous avons un fonds, comme en Afrique, et dans un pays comme en Tanzanie, Kenya, nous avons un fonds. Nous avons transféré ce fonds-là, nous remanons ce fonds-là pour ceux. En milliards de dollars, il y a un man pays en cours, c'est Nigeria. Même l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de monde qui ont envie de transférer de fonds. Mais ce que je fais ici, même IBD, il y a une chose, il y a un permis de travail. Il y a une logique. C'est là que les jeunes, avec les capacités que j'ai au niveau de l'Université Maurice ou les autres universités, redonnent une formation. Et ça, moi, je trouve dans le budget, reskilling, c'est bien un budget minimum de 10 milliards de roupies pour les prochains 5 ans. Zéro. Il n'y a aucun reskilling. Dans technologie, c'est aujourd'hui ce qui va nous faire comprendre, ou même le gouvernement va comprendre. Technologie, ce n'est pas ça qui tient en 90 ou 2000. Aujourd'hui, il y a un système que nous créons technologie. Montrez-moi, bon, il y a un jeune qui créera pendant la période de COVID, une application, et ça, c'est le limite, ça. Aujourd'hui, nous avons artificial intelligence, tout le monde parle de artificial intelligence, d'autres parlent de blockchain, d'autres parlent de différents aspects. Ben, je n'ai pas besoin de gagner sa capacité-là pour prendre sa technologie, pour prendre ça qui existait, plateforme, et créer une technologie. Un exemple assez simple, moi, l'Afrique du Sud, et pourtant un pays qui y a un taux de chômage de 25%, moi, c'est un jeune-là incroyable. Nous prenons le textile, ok, tout le monde peut plein de textile. Ok, c'est bon. Mais le textile, combien de matières premières est en Afrique? Que nous allons créer demain The Green Textile. Et d'ailleurs, avec la technologie qui tient 10 pour travail. Ouais. Jayen, il arrive 7h-10. Je vous laisse le micro à un autre Zen qui nous a nous. Un Zen qui est bien content avec le budget. Qui nous gagne la banque. Kripalu Sangoun, mets ton micro. Vous connaissez ton gain de land bank. Tu es capable de convertir 10% agriculture en résidentiel. Bah, le micro est à toi. Merci. En fait, l'intention qu'il dit de mettre est bon, mais moi pas trop connais. Est-ce qu'il est au niveau décidé? Je ne comprends pas qu'on se réplante. Ce qui est important, c'est qu'il nous guette un coup qui l'a donné. Il donne un National Agri-Food Development Program qui, pour le moment, il parle faire consultation. Il peut guette un coup qui met nous carrément, comment dire, réduire notre bande dépendance de l'importation et qui met nous mettre plus beaucoup la terre sous production. Mais plus beaucoup la terre sous production. Il dit bon, mais si nous avons plus. Produire plus beaucoup de pommes d'amour, comment nous pouvons faire aujourd'hui là? Mais nous, vous visez un délai là. Alors, les visez un approche assez intelligent. Je te rappelle plusieurs fois, nous, une cause, qui est information, nous pouvons faire tant ça comme là, pour causer. Information, aujourd'hui, il y a des outils dans le monde. Si nous pouvons avoir information, nous pouvons faire un budget, nous pouvons le fouiller, nous pouvons planter, nous pouvons connaître ce que nous pouvons vendre, qui s'en a, nous pouvons vendre, qui prix nous pouvons vendre. Alors, ça, c'est essentiel. Me trouver bizarre, rater l'eau, là. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a un système d'information, et l'information qui vous mettra à disposition va nous planter, que de planter là, capable de décider dans quelle filière il faut aller pour ne pas perdre l'argent. Me penser, ça, il raté.
malheureusement, pourtant, nous ne crions combien, nous ne sommes expliqués. Même dans un département, au niveau du gouvernement, supposé ramasser toutes les informations, traiter les informations, après, médecin disponible pour ça, pas seulement planter, mais pour consommateur, pour ben transformateur, pour ben exportateur, tout ça va nous dire là pour bizarre. Parce que nous, tout, nous faisons fixeuses en amont, avant de nous faire une exportation. Alors, en ce qui concerne l'Inbec, Libon, mon pensée, l'intention, Libon, libéraux récupèrent tout ben l'État qui nous donne ça, ben du monde, et chez ben du monde, pas fait travailler avec ça, ben la terre, et puis reste de l'eau. Et Libé aussi, mon pensée, à travers l'Inscope, Libé essayait d'un coup ben la terre privée, qui dit mon énorme, et je pas fait travailler avec la terre, là, Libon, si ça, je devine avec moi, on va trouver qu'on sait pas comment il était pour le moment. Nous, ce qui nous dit, il y a beaucoup de monde dans la terre qu'ils ont pas qu'à développer. Mais saisissent la terre agricole? Ah, c'est qu'il peut causer la terre agricole pour le moment, okay. Oui. Agricultural land, il peut causer là pour le moment. Alors, il y a toujours l'intention, bon, parce que si nous ne pouvons pas faire pour dire, disons, légumes, nous pouvons faire une vase, ou bien nous pouvons faire les autres bonnes activités de la terre agricole. Mais c'est bon. Ce qui est important, c'est propriétaire de la terre-là, les gens recevraient all the time. Je veux dire, faudrait que les gens n'aient pas l'impression dans une platée, puis prendre une platée, après, ils vont risquer de perdre ça, la terre-là. Mon pensée, c'est bien faire une ligne claire, sinon, les gens pour perdre, ils vont pas mettre cette platée à la disposition pour faire un développement. Et en ce qui concerne 10% de la terre, le 10 enfants, mon pensée, c'est une règle, c'est dans la loi qui existait depuis bien longtemps, au 20-10% le terrain. Mais là, il met un plafond jusqu'à 10 arbres. Hein, longtemps, ici, comme ça, si on a un arbre dans la terre, ou qu'à faire 10 pièces depuis là-dedans, ou donne ça aux enfants, pour les gars construire, ou bien, ou qu'à faire un développement commercial, là. Mais maintenant, il y a jusqu'à 10 arbres, c'est-à-dire, ou qu'à faire un arbre depuis là-dedans, ou qu'à faire ben, les autres développements jusqu'à. Je pense que ça aussi, il est bon, il faut permettre à tout le monde, parce qu'il y a ce terrain-là, il y a un peu difficile pour nos enfants acheter la terre, construire la case, ça il peut venir un peu difficile. Je pense que ça, il est bon. Il cause un petit peu le superfood, mais seulement quand il cause superfood, il faut prendre renseignement sur les causes qu'il doit. C'est un projet qui existait depuis pas mal de temps. Mais nous pensons, quand nous cause superfood, nous y pensons, nous pouvons. Peut-être un produit qui déjà nous est là, nous peut donner une plus valeur la santé et nutritionnelle, comme fouillapins, entac, embravade, bocla, manioc, violette, ou bien patate douce, ou bien safran qui nous a habitué à faire, moringa, il est déjà là, la liste, mais il y a savane souran qui nous est là, savane produit là, il est bon pour la santé, et nous pouvons produire localement, peut-être nous utilisons pour ça là. Qui nous reproduit, qui nous va, qui ne va pas y adapter à nos climats qui nous est là. Hein? Et puis, au niveau AMB, je pense qu'il a grandi, il est élargi sur mon activité, je pense que ça aussi est bon. Mais ce qu'il ne va pas nous faire là-dedans, il a raté, c'est bizarre que d'un coup, il a encore les autres, l'espace warehousing, que ban privé. D'après ce qui nous est là, private warehousing, pour qu'on garde légumes, mais peut-être comme des terres, oignons, l'ail, maïs, des fois, trois fois, plus que ce qui est là que d'AMD. Alors, peut-être que tu visais un inventaire là aussi, pour nous connaître combien nous avons stocké, combien nous avons gardé, et comment nous avons gardé. Nous avons gardé cool, nous avons gardé transformé. Ou bien nous avons gardé des fresh, comment dire, des freeze, pour quand nous pouvons produire, là nous prend aussi en account combien nous avons gardé, combien nous avons mangé, et qui nous pas besoin à le produire. Alors, mon pensée, c'est un comment nous appelons ça, market intelligence system, qui est capable de ça pour tout le monde au courant qui peut arriver. Et ce qui m'a trouvé encore, il revient avec wholesale market, je passe là-bas hier, je me trouvais. Il est en construction, mais c'est seulement sur la première phase. Maintenant, nous devons connaître comment il peut opérer ça. S'il peut d'après recommandation consultant, ou bien, ce qui est dernière information, nous entendons, nous avons vu un planter's market. Ça n'est pas bon. Si je fais un planter's market, il y a un bazar.
et les bouts de vie, tout ça va de purpose qui nous disait entendre pendant 20 ans. Vous pensez, nous disait faire bien, bien attention, l'eau, ça va faire, non? L'invine, l'eau, et le fixeuse qui peut être les bons and price mechanism, guaranteed price mechanism. Veut dire, les bons, nous permettent un coût de production des bons produits qui vont planter à planter. Et qui ban expected price qu'ils ont pour gagner et ça lui vous permet de ban zen c'est rentable. Donc je veux dire peut-être vous pouvez penser dans l'esprit derrière par derrière et non au lieu nous allons produire pour les penser mais nous turn the table nous allons vers demand oriented production. Vous pensez quand même lui bon si nous essayer faire ça hein, pour ne pas faire ban glut ou bien ne pas faire ban pénurie tout ça. Et d'une cause, un spello, seed, availability et quality, vous pensez ça aussi est important parce que, surtout après COVID, nous avons eu des problèmes pour certaines bonnes semences disparaissent ou bien bonnes semences qui sont pas bonnes, mettre-le au marché. Alors, il est bon qu'il nous commence à prendre précaution qui visent dans ce domaine-là. Et d'une cause, un spello, technical support. Et d'une cause aussi, l'eau, ben, subside qui lui peut donner l'eau, sémence, pomme de terre. Bon, mon pensée est bon, mais seulement un subside, c'est aussi, de l'autre côté, te peut affaiblir un secteur pour les cas du bout de l'eau sur le pied. C'est que tu visais faire, tu visais capable produire ben, sémence en meilleur marché. Et là, tu visais appliquer une nouvelle technologie, une nouvelle technique de production, au lieu de nous dépendre aux importations, sémences des vidéos et te payer un prix bien, bien faux. Et là, il y a un gros problème, surtout pour me dire qu'il est plus ou moins staple food, tu gagnes des oignons, tu gagnes de l'ail. Alors, moi, je pensais que tu visais appliquer une nouvelle technique, une nouvelle technologie, une nouvelle moyen de production. Que tu as baissé le coût de production de sémences et que ça fait livrer une available pour moi. Planté. Et ce qui, malheureusement, ne m'a pas trouvé là-dedans, c'est l'étudier qu'il est important, apporte sémences, apporte fertilisants. Il est important que nous produisions nos propres fertilisants parce que nous étions pensés qu'il nous faisait enlever un petit ban compost, ban green fertilizer, comment nous appelons ça, ban organique, tout ça. Mm-hmm. Ben, moi pas trouve ça du tout. Parce que nous devons mettre en place depuis pas mal d'années et dans certaines ban plantées, ban groupes coopératifs, je peux lancer là-dedans. Et nous capables de servir ban input, ban matière première qui nous est là localement. Et nous devons faire produire ban compost. Ben fertilisant, mais malheureusement, moi pas trouve plus ou moins rien. Et dans mon impression qu'il affaiblit un petit peu ben institution, il coupe un petit peu les abords de l'idée, mais de l'autre côté, c'est qu'il fait, l'IPC responsabilise un peu ben tout le monde qui prend loan, tout ça. Moi trouvé l'IP donne loan au niveau DBM, le 0,5%. Il dit bon, nous qui demandons 0% pour l'agriculteur, mais il dit bon, quand même 0,5%. Et qui s'abonne loan là, il est available pour van planter, van pécer, van élever et aussi van du monde qui peut lancer dans van transformation. Alors voilà un petit peu ce qu'il dit, mais pour moi, ce qui est important, c'est toujours l'intention s'en allant. Nous visons qu'à traduire dans la réalité. Et nous disons que les bons quand nous mettre tout ça dans l'emphase là, l'énergie là, mais si vous avez mettre une petite chose, peut-être pas au niveau ministère agro-industrie, mais peut-être en bas ministère finance quelque part, côté du cas, veille target, stratégie et monitoring. Alors, si nous pouvons dire que nous visons produire tant, tel produit, si nous pas un projet qui fait nous pas un projet qui n'est raté. Alors, ça concept là, moi pas un problème. Bon, ben, nous la route pour faire mon pensée. Il est bon de donner la terre, mais si tu vas donner mécanisation, tu vas donner irrigation. Je vais un exemple dans Britannia. Le gouvernement, il gagne 50 ans par la terre avec l'établissement Britannia. Et tu connais quand l'établissement donne la terre, il donne la plupart du temps la terre marginale. Il n'y a pas besoin plus ou moins. Mettre ça dans les coûts gouvernement prend ça, mettre ça les coûts plantés,
planté un peu, c'est planté depuis 106, si vous avez fait bien, c'est planté depuis des ans, mais ça va être cool, ça va être cool. Il y a de l'eau, légumes 80% de l'eau, ça. Ce qui m'a fait dire que oui, l'intention est bon, mais je, malheureusement, je ne connais pas comment je ne connais pas faire un travail là. Alors, si tu ne mets pas un target, tu ne mets pas une stratégie, et tu ne pas faire un timoun assise là-bas avec un carotte et un fouet. Mais plutôt, je ne pas couillot de savane planté là. Je connais mon avisité et la savane plantée, et puis, dans un an, ça, qui sort de l'université. Spéro de l'enjeu de là-dedans, je ne disais pas en prêter l'eau de 200 000, 300 000, ils mettent là-dedans. Et ils ont dit, je ne prescris pas, c'est un moyen pour qu'on pousse ça, il est grave ça. Peut-être que je me rappelle Mervyn Couteau. Mervyn, à l'époque, tu tiens un projet pour redonner la terre, pour planter. Mervyn, tu es là? Yes, Mervyn? Mr. Lee. Oui, donc yes. À l'époque, tu tiens un projet pour redonner la terre. Pour planter, pour faire ton propre entreprise. Et moi, puis écoute, Kripalu Sangoun, si peut-être tu en as quelques questions, qui Kripalu Kabadvaisoir, why not? Fais-le online. Définitivement. Et à cette époque-là, quand je fais ma recherche avec sa groupe camarade, venez, c'est un groupe camarade qui s'est envie d'initier ce projet pour vraiment être, comment dire, autosuffisant, un grave problème à l'île Maurice. Mais nous faisons remarquer par rapport à l'acquisition of land à l'île Maurice, nous avons un grave problème aussi que de jeunes, nous avons beaucoup accès pour acquérir un lieu de terre pour vraiment capable poursuivre nos business dans l'agriculture. Nous avons un grave problème pour capable acquérir un morceau de terre. Peut-être donc, ma question. Ça l'Enberg là, capable d'une oui, une solution. Bon, ça, la banque là, on ne pas connaître, il peut donner la terre, le commun d'intérêt. En fait, c'est ça ce qui nous occupe. Il y a beaucoup de monde, ou bien coopératif, ou bien groupe de monde, il y a beaucoup de projets très, très intéressants. Hein. Mais malheureusement, comment dire, il y a du monde, il y a la terre, il ne pas connaître qui s'en a, il peut donner. Et à Maurice, comment dire, la plupart des gens qui sont dans la terre, des propriétaires, des gens sont très attachés émotionnellement avec la terre. Et souvent, il y a ce problème-là, comment dire, de parler, donner la terre à un des gens qui ne sont pas connus. Et parfois, c'est une raison aussi, parce que je n'ai beaucoup de problèmes. Nous, on a assisté beaucoup de problèmes là-dedans. Il y a des gens qui perdent la terre, il y a des gens qui ont des problèmes quand ils finissent, souvent, des gens qui ont des problèmes. Mais seulement si tu gagnes l'organisation, comment dire, venir l'organisation de l'État, qui nous prenne un peu de conscience de ça, de temps, mais si là-dedans, c'est qu'il nous dit proposer une la terre qui va. Et là, actuellement, quand nous peut causer beaucoup la terre, 27 000 arbres en la terre, nous peut causer, qui appartient aux petits plantés, hein, commence depuis des milliers d'arbres, les 40, 25, 30 arbres, ben, pour planter, on a beaucoup la terre qui n'ont pas pu cultiver pour plusieurs raisons, hein. Premièrement économique, mais deuxième, pour l'ennuyer, ce sont des enfants pas intéressés, ce sont des affaires là. Alors, ça m'a dit, moi, là, je dis, mais ça, la terre là, gestion, pas la terre là, mais gestion, la terre là, dans ça, la banque là, et en retour, je tiens un loyer pour ça. Un loyer. Un loyer qui est commercial, par exemple, à ce terre là, si tu loues un avant la terre, il y a entre 8 à 10 000 roupies par an, par enfant. Après, il prend ça, le gouvernement renoue avec Banzin. Vous pensez, si un zen, il y en a 25 enfants, 30 enfants, ben là, à ce moment-là, l'État lance, lui, comme un entrepreneur. Et il va créer, lui, avec un plan. Vous pensez, ça, qui pourrait intéresser un zen, et il y en a beaucoup de zen, comme Tanela, PDM, et lui, qui est intéressé. Alors là, je tiens là, je dis qu'on connaît, dirigeant, créer qui la pose, pour qu'on fasse des manènes là. Mais à ce là comment dire, comment nous mettez là, il faut un peu difficile. Peut-être moi mon cas connaît qui s'en a qui est dans la tête et a envie de donner, mais peut-être ça dit mon ami il y a un demi enfant, un enfant, deux enfants, ça n'a pas intérêt Mervyn. Alors il a ça mismatch tu vois. Nous payons un meeting place que ça va la terre là capable là ou ça peut être en ligne de faire développement. Et à part qui la terre plantée mais la terre l'État même, il a beaucoup la terre l'État fait dormir pour n'en rien fin de ça. Vous savez comment, quand je donne la terre, je donne n'importe où, ou bien je donne mon agent politique. Agent politique prend louer un an, des ans, après, tu me dis tu peux louer aussi, il n'a rien, il n'est plus intéressé.
mais il y a beaucoup la terre, l'état qu'ils ont aussi, à l'état frisse, à l'état abandon. Alors, tout ça, dans la terre, là, vous pensez, bien prendre, bien mettre ça à disposition, Bansen, mais Bansen, bien connaître qui, bien produire, pas né, comment dire, ce qui a envie de produire, vers la voile, vers la production, là. Il y a important. Information, il y a toujours un point, comme on peut dire, bien important, pour tout le monde, avant nous lancer nous là-dedans. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités, énormément d'opportunités. Aujourd'hui, nous pouvons produire moins que 27%, ce qui nous peut consommer aujourd'hui. Et il y a beaucoup de substituts qui nous peuvent produire ici. Il y a beaucoup de production qui nous peuvent augmenter, transformer, nous peuvent consommer, peut-être nous peuvent même vendre avec parce que Maurice, toujours, produit mauricien, toujours prisé dans certains pays avec un prix, prime low, là. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup de possibilités, mais tout le temps, comment nous causer des, malheureusement, c'est driver qui est important. Alors, c'est un ban l'organisation, c'est visant ban driver qui peut guider des ventes, qui peut diriger sa, sa secteur, là. L'air là, nous cassons aussi des là-dedans. Mais en passant, Libon, je dis ça, le PC travaille, tu te rappelles, tu peux causer, nous, ça va faire un outlet. Là, le PC travaille en coopérative, peut-être un modèle, ce qui nous fait là. Nous contacter ma planteur qui est frontière. Nous disons, je vais nous prendre ce bon produit. L'air là, nous pouvons essayer de faire un panier pour une famille directement. Enfin, Covid, il nous enseigne un petit peu ça. C'est une bonne zen. Nous te rappelons que tu mets une plateforme électronique et nous gagnons au moins 500 personnes qui disposent d'une propre panier là directement avec sa coopérative là. Alors, nous nous avons planté, mais nous payons le même prix qu'ils ont fait gagner l'eau dans l'entrant avec Marsan. Tout le monde vous paye 10 ans. Et en plus, ce point de manque, quand vous opérative la profit, de vous bénéficiez profit. Et de l'autre côté, nous payons un consommateur, vous payez 10% moins cher qu'il croit le pays, ça avec Marsan l'équipe. Alors, nous essayons de faire un montage l'eau là. Yeah, bon. Et doucement, doucement, nous avons un groupe comment nous parle de ce service là. Très bien. Voilà. Nous arrivons à la fin. Et moi, il y a un petit document, mon écoute à ça avec eux, parce que comment te dire que pas nous, c'est ben, l'intention. Après, ce qui est réalisé hein, à la fin de l'année financière, c'est une autre affaire. Donc, moi, je trouve là, un document qui, ben, une mesure qui s'est annoncée l'année dernière pour ce qui était service financier, par exemple, 6,50% INFER, ce qui était tourisme, 6,40% INFER. Agribusiness, 61%, l'autobahn mesure qui s'est annoncé. ICT, 60. Manufacturier, industrie, 60. Real estate, 80%. Trouvez ce bousin un peu plus, quand il y en a béton. Donc, secteur public, 42%. PME, 73%. Donc, un budget, c'est bonne mesure, mais réalise-le qui est plus important. Ouais. Jayen, vous donne-toi le dernier mot de la fin. Allez, merci. Très court, Jayen. Ouais. Et écoute, moi, mon pensée, c'est que il y a une telle opportunité dans Maurice, c'est qu'il y a un jeune, surtout un jeune qui vient prendre, comme Kevin dit, vient prendre tout en main et pas trop quoi dans toute initiative gouvernement. Souvent, depuis 40 ans. Amener et arriver à certains niveaux côté, je dois bien prendre une initiative, guider comment vous faire et me penser même à certains lettres gouvernement qui avaient dit et un autre affaire, je dois bien former skills up et ce qu'à me penser, c'est un moment, je peux me pourrais prendre l'économie à certains moments et pas dire ban big là pour tomber, mais je dois pourrais monter. Et surtout, un domaine, comme Mr. Chagounine fait dire, un domaine qui est extra opportunité, là, c'est l'agriculture. Nous avons un gros marché qui est devant nous, et beaucoup de personnes me disent, si vous prenez une minute, et un gros marché qui existe devant nous, c'est un pays arabe. Je me fais faire une statistique, l'Arabie Saoudite et Dubaï, c'est un Arabe Émirat, nous importe autour de 10 milliards de dollars en termes agricoles. Calculé, il fait un peu près 400 milliards d'euros. Mais si nous gagnons 10% là-dedans,
les 40 milliards. Ça veut dire une extra-opportunité. Et en plus de ça, le supply chain est un des plus faciles de l'aller de côté. Bon, on connaît l'avion pas fait rouler. On a Emirates qui est de l'autre côté. On a Saudi Airlines de ce côté-là. Mais maintenant, c'est pas besoin de trouver. Le marché existait. C'est pas besoin de mettre la main, la main, la tête ensemble pour toutes les solutions. Voilà, c'est tout mon mot de la fin. Merci, Jayen. Donc, Repalou, tu trouves une autre opportunité pour tout le monde. Ben, moi, je peux venir planter dans un mois et demi. Et dans un bientôt. Merci, tout le monde. Merci. À une prochaine. Merci. 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 Bye bye. Allez.